Yo, 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 salut, 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 j'espère que vous allez bien. Et la partie démarre. Je baisse un peu la musique. Bon, let's go, hein. Salut Haricot, pour une fois j'arrive à l'heure pour une partie. Effectivement, go faire une prédiction, ça fait longtemps, et vu que c'est une game group, bah, c'est le moment pour le faire. Prédiction, voilà. Donc ouais, pour les nouveautés, les nouveautés n'ont pas été dites, mais je vais les dire à l'oral moi-même vu que je m'en souviens. Il y a quelques nouveautés si vous voulez savoir. Le joueur de flûte maintenant, ça indique plus aux joueurs qui se sont fait charmer, parce que c'était un peu trop facile de savoir qui était le joueur de flûte si à chaque fois il y avait écrit vous venez de vous faire charmer. Donc il a été un peu up à ce niveau-là. Par contre, ça écrit à chaque début d'épisode combien de joueurs sont charmés dans la partie, donc ça permet de pas non plus trop fort. Je pense que c'est bien ça, peut-être que le joueur de flûte sera jouable. Et bon, du coup aussi il risquerait d'avoir un joueur de flûte dans les games, je pense. Faudra se méfier de ça. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le garde maintenant, dès qu'une personne a été gardée, ça lui indique au bout de 10 minutes quand son effet s'en va. Ça évite de pas savoir. Bon, ça c'est minime. C'est plus un truc pour que ça. Enfin, c'est pas une modification, c'est juste un message en plus quoi. Et il y a l'exposed. Vous savez le truc, l'événement aléatoire qui fait que ça affiche 3 rôles et un pseudo dans le chat. Maintenant ça affiche non pas 3 mais 4 rôles. Et c'est à chaque fois c'est des rôles dans des camps différents, genre il y a un pseudo safe, un loup-garou, un solo et un aléatoire. Ça évite que ce soit trop facile à cramer. Il a été un peu nerfé cet événement aléatoire. Donc voilà, c'est ça les nouveautés qu'on a. C'est FI3 vraiment. Aïe. Bref. On y va. On y va. Merci Daft pour les 16 mois, ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi pour le resub. On est parti pour cette game qui j'espère vaudra le coup. J'espère vraiment que les groupes de 3 vont pas niquer les games. Bon en vrai honnêtement, même si j'aime pas les groupes de 3, techniquement, ça peut rendre la game plus intéressante dans la mesure où hashtag une game n'est jamais perdue. Vu que les groupes de 3 c'est broken pour faire gagner même quand tu devrais avoir perdu. Donc on verra bien. On verra bien si jamais j'ai eu de la chance. Et que ça peut m'avantager aussi, tu vois. Ça peut autant me niquer que ça peut m'avantager. Mais c'est juste que j'aime pas dans le principe. C'est surtout dans le principe que j'aime pas les groupes. Plus que dans le. Plus que. En fait, c'est pas parce que c'est un désavantage que j'aime pas. Hein, vu que forcément, moi, je suis plutôt dans les gens que ça avantagerait les groupes de 3. C'est juste que je trouve ça moins fun, en fait. Mais après, on verra bien. Peut-être que ça va me mettre bien. Et dans ce cas-là, bah cool, hein. Autant. Enfin, on va pas s'en plaindre, quoi. Enfin, si, mais on. Ça, tant qu'à faire, autant que ça m'avantage. Si, un rôle peut tomber dans les deux exposes, effectivement. Bon, on va récupérer Kurikan, j'ai tout ce qu'il me faut maintenant. Cherchons une petite forêt et on pourra s'enterrer directement. S'occuper du minage et des rôles. Mais bon, on va voir. Putain, j'ai plus d'eau, j'ai fini ma bouteille d'eau, quelle tristesse. Faut que je m'en rachète. J'appelle à Gaplug, j'ai l'appel aussi. J'aimerais bien la voir. Est-ce qu'il y a des gens sur TS? Tiens, je regardais. A priori non, donc tranquille. What the fuck, c'est quoi cette. Il y a un channel avec 25 personnes. Bon, ils sont tous mute, mais ça m'a quand même étonné. Bon, allez, on y va. J'ai mis 18 ans le week-end prochain, on m'a fait un anniversaire surprise hier, j'ai reçu beaucoup d'argent, mais mon problème c'est que j'ai envie de tout donner à ce gif sans mon suis censé. Bah, en vrai, économise, hein, si t'as reçu beaucoup, je pense que t'en auras plus besoin pour ton futur, quoi. T'es pas obligé de. T'as déjà donné beaucoup de sub-gifts. Vraiment, tu n'es pas obligé, quoi. Tu n'es pas obligé, et surtout c'est pas sage de faire ça quoi. Ce n'est pas wise. Ce n'est pas wise. En vrai dans ce genre de cas je pense qu'il faut le mettre sur un compte d'épargne, enfin sur un compte le compte de sauve quoi. De comment on appelle ça? Épargne, y a pas un autre mot? Enfin d'économie quoi tout simplement, pour éviter d'être tenté d'utiliser je pense. Ça peut être une bonne idée. T'as beaucoup de sub avec l'argent qu'on te donne alors que t'es étudiant, que t'es pas taf. Oui, ça, c'est vrai que c'est pas fou quoi. Vraiment, livret A, ouais. Enfin, livret A, c'est le nom qu'on a en France dans le truc, mais c'est pas forcément le nom partout. Je parlais juste du nom, d'un vrai nom quoi. Mais ouais, je pense, ouais. Vraiment, ceux qui donnent des subs, faut vraiment le faire que si vous pouvez vous le permettre et que bah voilà, ça vous pose pas de problème quoi, tout simplement. Sinon, c'est pas fou quoi. Faut pas que ça vous mette dans la merde. Bref, les 40 balles que je te donnais, c'est pour toi, Arnie, pas pour Gap. Es-tu malade? Non, je suis peut-être un poil enrhumé, mais c'est aussi le micro que j'ai qui amplifie cet effet. J'ai pas tant le nez bouché que ça, c'est juste. Enfin, c'est aussi
ce micro aussi qui donne l'impression alors que c'est pas tant le cas. Moi je donnais ça à ma mère, j'étais tranquille. Livret jeune, c'est meilleur. Ouais, mais après, ouais. Le truc c'est que livret jeune, une fois que tu taffes, ça se remplit vite quoi. C'est, je crois que le plafond est assez bas. Enfin, après, ça dépend, je pense, de banque ou quoi, mais. Enfin, en vrai, normal vu que c'est un livret jeune, mais. Pour les gens qui taffent, c'est. Ça ne sert plus à rien quoi. Ça ne sert plus à rien. Une préférence pour un certain rôle. Aujourd'hui, j'aimerais bien avoir un rôle villageois, un info. De préférence, un que je n'ai pas encore eu. Mais si c'est un que j'ai déjà eu, c'est pas grave non plus. Mais ouais, histoire de faire des trucs intéressants. Enfin, de faire des trucs intéressants. Du côté du village, quoi, en termes de réflexion et de stratégie, vu que j'ai pas trop envie de trahir aujourd'hui. J'ai déjà fait ça les deux dernières games, mais ça m'a un peu. Enfin, ça m'a pas saoulé, mais. J'ai envie de changer de gameplay, quoi, tout simplement. Ouais, chasseur, j'ai déjà eu effectivement, mais il est bugué de toute façon. Le chasseur, il est bugué ces temps-ci. Donc, je pense pas qu'il sera mis ce soir. Mais si je pouvais avoir une compteuse ou je sais pas, ça me rangerait bien. Un plan épargne retraite, le truc, tu peux pas tuer pendant 20 ans. En soi, avec les montages, j'ai de l'argent qui reste pas mal, et ça, je m'en sers pour des capinards, des subgifs, etc. Ce que je joue une IRL, je garde pour la. Ok, donc ça va encore. Tant que t'arrives à te mettre ce qu'il te faut. Ouais, après, même les trucs, enfin. Ouais, faut quand même économiser dans tous les cas. Parce que imagine. Imagine par exemple si tu. Enfin, je sais pas si tu comptais le faire, mais. Si tu étais pris en tant que monteur chez moi, et qu'après tu dépenses tout dans des subgifs chez moi, du coup, c'est ça n'a aucun sens. C'est vraiment. C'est bizarre quoi. Bref, on a cette pomme quasiment. Je vais prendre une. Je vais couper cet arbre là. C'est très rare, je trouve. Ça devient juste limite du paiement à Twitch. C'est la mentalité de Ford. C'est vrai que c'est pas faux ça, le Fordisme. Que du coup ils se payaient des voitures Ford à 5 balles. Et du coup c'est rentable. En gros, tu payes ton employeur. C'est ça. Enfin, tu lui payes ton salaire. Donc finalement, ça s'annule. En soi, je vais tenter chez toi si je suis sur X. Ok. Bon, vu que tu vas être côté villageois, je vais être côté village. Je veux être côté village. C'est ce qui m'irait bien aujourd'hui. Sans truc. Bref. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai eu un subgif sur une chaîne espagnole avec un point de cafolo que je ne connais pas du tout. Je n'ai pas trop compris comment c'est possible. Je ne sais pas non plus. Les subgifs, c'est un peu bizarre. Hein. En vrai, c'est peut-être que. Si ça se trouve, il a beaucoup de subgifts. Et genre, il a plus de subs que son nombre de followers. Et donc, ça sub quelqu'un au hasard. C'est possible ça. C'est possible. Je vais le coup solo vu que je me trompe toujours comme ça. Un des deux serait gagnant. Ouais, bah on verra bien. Hein. On verra bien comment ça va se passer. Bon allez, on descend. On descend. Ça m'est déjà fait. Ouais, pareil. Ça arrive assez souvent. Bref. Et pourtant, je ne follow même pas. Je sais même pas qui c'est. Ouais, genre t'es même pas allé sur son stream. C'est bizarre dans ce cas-là. Bah bon, c'est Twitch quoi, on se pose pas trop de questions, il se passe des trucs des fois assez étranges. Ah mais bon, t'as eu un subgift, hein. Au moins ça t'a peut-être fait découvrir un nouveau streamer que tu vas regarder. Ou pas du tout. En vrai, je sais pas si je suis en train de faire du montage chez toi, je sais pas si j'ai le level requis. En vrai, je pense que je l'expliquerai dans le message quand tu auras les... Quand tu auras la... Qu'on appelle ça. Le formulaire d'inscription, je sais pas quoi, mais ouais, faut avoir un niveau quand même assez correct. Pour faire les vidéos un peu comme moi je l'ai fait quoi. Donc voilà. Idéalement d'avoir déjà fait des vidéos et tout, comme ça je peux déjà avoir des vidéos à regarder pour me faire une idée. Donc on verra bien. Je me sens pas bien quand quelqu'un me sub sur une chaîne où je suis resté mute alors que j'aime pas follow. Je peux comprendre. T'es un peu genre comme si t'avais volé la place d'un sub plus méritant. Je comprends. Moi en vrai je m'en fiche vu que ça m'arrive assez peu généralement. Enfin souvent ça m'arrive sur des chaînes que je regarde pas mais c'est des gens que je connais quand même. Souvent c'est des gens de Minecraft donc du coup je suis en mode oh cool, je suis sub chez eux si jamais je passe un jour. Je pourrais utiliser les emotes, c'est cool. On prend. Mais bon. J'avoue que le mec j'arrête pas trop ici.
Après, au moins, toi, tu étais sur le stream quand tu... Quand tu as eu le sub, donc ça va. J'ai mes yeux qui veulent plus focus, je vais mourir. Aïe. J'ai la même situation, je me suis sur GIF sur une chaîne allemande pendant la période de stagnation. Après, c'est peut-être... T'étais peut-être passé dessus pendant une seconde pour regarder un truc, ouais. Il y a moyen. Moi, j'ai un mec que je connais pas, il m'a offert un sub level 2. Nice. Sub level 2, quand même, c'est pas mal, hein. Bon, on s'en terre, hein. On est parti. Pour un début de minage, j'ai déjà... Ouais, 13 d'or, on prend, c'est pas énorme, mais... J'ai même pas MLG, tiens, je suis vraiment... Lâche. Mais tranquille. Regugli, moi je gagne jamais de ce gift, unlucky. Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres, je suppose. Mais un jour ça arrivera peut-être, ne t'inquiète pas, ne désespère pas. Moi j'ai offert un sub à Squeezie, nice. Bah si jamais il passe, hein. Mais bon. Et les rêves que tu donnerais à ton moteur serait quoi? Ça serait genre peut-être 2 vidéos par mois, tu vois. 2 voire 3, donc c'est pas... Je pense que c'est ça passe, tu vois. C'est pas un rythme effréné. Vu que dans tous les cas, je continuerai moi-même à faire quelques vidéos de mon côté. Et Nimbus continuerait d'en faire genre 2 par mois aussi, tu vois. Donc je pense que ça va, ça fait une vidéo toutes les 2 semaines ou tous les 10 jours. Je pense que c'est un rythme faisable. Même pour quelqu'un qui, je sais pas, qui est en cours ou quoi. Sachant qu'une vidéo de ce de type, ça prend peut-être une dizaine d'heures à faire. Enfin, pour quelqu'un qui a l'habitude en tout cas. Je pense que ça passe. Tu verras la vidéo ou au moins en mode dresseur. Je pense à la vidéo. Enfin, c'est comme ça que je fais avec Nimbus. Et je pense que c'est comme ça que je ferai, ouais. C'est mieux, je pense. Enfin, c'est plus simple dans tous les cas. Comme ça, si jamais un mois la personne peut faire 2 vidéos, puis le mois d'après elle peut en faire 3, bah j'adapte plutôt que de faire un truc. C'est nouveau que certains mots sont censurés. Sans doute. Moi j'ai gagné un sub sans stream le 8, mais je l'ai vu que hier. Ah! Ah oui, du coup il est. Il est bientôt finito, ça va, il te reste encore une dizaine de jours. Tu vas pouvoir encore un peu en profiter, surtout que là je vais me remettre à stream. Mais ouais, unlucky, unlucky, unlucky. C'est vrai que le 8 c'est la journée où il y a eu plein de subgifts finalement. Donc c'est pour ça. Tu ne dois pas être le seul à en avoir reçu plein. Merci Nathan pour les 3 mois. Salut à... Salut à tous, c'est Gap, bonne game. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour tes 3 mois, merci beaucoup, c'est plaisir. Et là tu sais Gap, comme on dit, dans le milieu. Coucou Loisy, coucou à tous, il y en a beaucoup de nouveaux sur le stream j'ai l'impression. Enfin en tout cas qui écrit pour la première fois, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Mais c'est cool en tout cas. C'est cool, on est bien. Par rapport au sub gift, j'en avais jamais eu avant de payer mon premier sub et maintenant j'en ai assez régulièrement un ou 2 par mois environ. Apparemment ça joue. Peut-être. C'est pas impossible en vrai, vu que souvent beaucoup de gens qui sont sub gift comme ça, je vois c'est des gens qui sont à leur 3e, 4e ou 5e mois, donc peut-être que ça joue. Effectivement. Donc si jamais vous voulez vous faire sub gift, n'hésitez pas à sub 1 mois. Et vous ferez peut-être ce gift le mois prochain. Technique du commercial EZ. Moi on m'a offert 4 subs sur 4 streams différents en une semaine. Aïe. Enfin aïe, pourquoi je dis aïe? Stylé plutôt. Premier live pour moi, viewer de l'ombre sur YouTube. Nice, bah bienvenue alors. Bon on a des bonnes grottes, on va y aller. J'ai payé 2 mois sur mes 8 mois MDR. D'accord. Toi ça va, t'es pas chanceux. Si t'es solo, je suis gift. Je sais pas si j'ai envie d'être solo vu que... En vrai pourquoi pas parce que je pense... Vu qu'il y a eu des modifications sur le genre de flûte, je pense qu'il y aura le genre de flûte dans la game. Enfin, après, je sais pas si Nimbus était au courant de ça quand il a fait la compo. Mais il y aura peut-être le genre de flûte, et dans ce cas-là, je serais pas contre le retester. Même si du coup, ça va quand même être compliqué, mais on verra bien. Pareil, je viens de YouTube à la base, mes petits streams sont cool. Bah, bienvenue à toi aussi. Bienvenue à toi. Hier, d'ailleurs, enfin rien à voir, mais hier je m'ennuyais, du coup je. J'ai vu dans ma recommandation, il y avait genre les chaînes YouTube là qui fait des best of Minecraft de nos clips de tout le monde. Bon, c'est un peu du vol de contenu, mais bon, je m'en fous un peu. Et du coup, je sais pas pourquoi, je me suis mis à regarder. Enfin, j'ai eu envie de regarder par hasard les clips de moi qui avaient ce genre de vidéo. Et il y a tellement de clips où j'insulte des gens dans le chat. J'étais en mode, what the fuck, j'ai été violent ce jour-là. Genre où je dis, c'est quoi ce gros fils de pute? Genre d'un seul coup, ça m'a fait rire. En vrai, ça m'a fait rire. J'étais en mode, what the fuck. Genre c'était la période juste après à la Cité des Nations où il y avait plein d'abrutis dans le chat. Où il y a un clip de moi pendant 5 minutes où je dis bon je sais pas ce qui se passe depuis la Cité des Nations, genre d'habitude c'est cool, il y a beaucoup d'entre vous qui sont cool la majorité mais il y a aussi quelques gros fils de pute qui viennent depuis quelques jours. J'étais en mode ah oui d'accord, j'étais violent ce jour-là. Et ça m'a fait rire, j'étais en mode, enfin je sais pas, ça m'a étonné ma violence ce jour-là. Mais bon. On n'empêche pas un rageux d'être rageux.
En vrai, ça va. J'ai pas l'impression, quand je regarde les streams de plusieurs autres personnes, genre Nanox principalement, j'ai pas l'impression d'insulter beaucoup, hein. Les rares personnes que j'insulte, c'est des gens qui m'insultent dans le chat. Parce que même quand je rage après les games, bah j'insulte personne, je dis juste que le mode de jeu c'est de la merde, ou que c'est. Ou que j'ai été unlucky. Mais j'insulte vraiment jamais. Enfin, très rarement les gens à part ça. Encore moins les gens genre des games ou quoi, genre ça m'arrive jamais d'insulter vocalement les gens des games. Je trouve ça pas trop cool quoi. Genre des fois je dis qu'ils ont joué de manière bête ou mal, mais je vais pas dire putain bande d'enculés. Ça j'aime pas trop. Ça j'aime pas trop. Je suis pas trop du type à faire ça surtout. C'est pas trop dans ma nature, même si bon. Là je suis en train de faire une cure de chill, j'ai toujours mis sur mon second écran mon paint avec écrit fun et chill avec un smiley sourire afin de ne pas rager. Mais bon. Je pense que si jamais j'ai envie de rager, soit je crie un bon coup, j'exulte, mais après je reste calme et je dis bon bah tant pis. C'est une game comme une autre qui s'est mal passée, la prochaine sera meilleure. Prochaine personne que tu vois insulter de manière gentille, genre c'est la bonne personne. Je sais pas. Hein. Les mots font mal, les termes sont dits. Ouais. Une petite insulte, c'est amical. Ça dépend comment c'est dit, on va dire. T'as vu, oui, c'était un peu abusé. Après, on va pas se mentir qu'il a beaucoup ragé sur ces games-là, mais bon. Après, la game était assez horrible pour lui aussi. Mais bon. Je pense qu'il y a moi aussi des games où j'ai autant, voire plus ragé. Sauf que forcément, vu que c'est moi qui fais le montage de mes games, j'évite de mettre trop le moment où je rage quand c'est pas nécessaire. Genre par exemple, je pense qu'il y a la game Akaza, je sais pas si vous savez, qui est sortie il y a pas si longtemps. Elle est sortie il y a genre 2-3 mois. Rien que dans cette game-là, on m'entend assez souvent me plaindre des groupes, et en vrai, je me plains de manière justifiée, la game était assez horrible. Mais j'ai coupé beaucoup de moments où je fais que de me plaindre des groupes, surtout de certains joueurs en particulier qui faisaient que de faire n'importe quoi. Enfin, de pas respecter les groupes, quoi. Ouais, salut Tawin, Fritos, effectivement. Et donc voilà, là c'est avec le montage que j'ai beaucoup enlevé de. Enfin, que j'ai beaucoup enlevé des moments où je rage parce que c'est assez relou quoi. Moi ça me saoule de voir des moments où je rage dans les vidéos. Il y a des fois où c'est marrant, mais moi je trouve que je suis pas très marrant quand je rage quoi, généralement. Des fois c'est le cas, mais généralement j'ai pas la rage marrante comme certaines personnes. Il y a certaines personnes, c'est grave drôle quand ils ragent, mais moi je trouve pas. Genre Restump, honnêtement, je trouve que c'est marrant quand ils ragent, mais moi par exemple, je trouve pas ça drôle. Genre pareil, ouais, pareil avec beaucoup d'autres gens du groupe, je trouve pas ça spécialement drôle quand ils ragent, et moi je serais parti. Non, c'est vrai, par rapport à d'autres, t'es pas du tout grossier, je trouve, et sinon, pendant la destination, l'ambiance était tellement énervante que d'autres auraient dit des insultes beaucoup plus graves que ce qu'il dit. Non, mais pour le coup, pendant la destination, en tant que tel, je pense que je suis un de ceux qui est le moins ragé de mon équipe pendant la cité. Sauf la soirée du pitch out, on va pas en parler. Mais je parlais de après où j'ai un où il y avait des viewers dans le chat qui m'ont cassé les couilles, surtout. Mais pendant la destination, je pense pas que j'ai beaucoup ragé. Pour le coup. Non, en tout cas, c'est marrant. Ouais, Nartko aussi, je suppose. Mais c'est relou les groupes qui sont en accès. Oui, je suis d'accord, clairement. Bon, je vais pas me faire de pioche en diamant maintenant parce que, au cas où je suis oracle ou voyante. C'est bientôt l'heure de l'annonce des rôles, donc les prédictions ont dû être finies. On verra qui va gagner. Moi, les fois où je tilt contre des mecs, c'est surtout en LG, les fakes solo, etc. C'est les trucs avec aucun counterplay où t'es obligé de croire et tu fais plus de rien. Ah, moi, maintenant, ce genre de truc, je n'y crois plus. Je préfère niquer la game de quelqu'un. En fait, je préfère avoir des remords que des regrets. Donc, c'est vraiment une expression bateau Facebook 2010, mais c'est vrai, et donc s'il y a quelqu'un qui fake solo, bah je le bute et c'est bon. En fait, je me rends compte que toutes les expressions Facebook 2010, elles sont parfaitement adaptables en LG UHC. Hein. Genre, faites confiance. Genre, tous les trucs en mode je me suis fait trahir. Eh bien, c'est exactement pareil en LG. Je me suis fait trahir en LG. Ce qui est terrible avec la trahison, c'est qu'elle vient de quelqu'un en qui on faisait confiance. C'est exactement ça. Bref, le plus dans une trahison. Oh mais what the fuck? Putain, bravo. On a fait la même quote. Bon, je l'ai fait. Moi, j'ai mal réussi à la faire parce que je la connaissais pas par cœur, mais on a eu la même quote. Bravo. La version AKM, oui, bien sûr, parce que elle, c'était la vraie version, alors que moi, c'était une tentative de reconstitution bancale. J'ai une image dans mon téléphone, ok. Ça explique cela. Enfin, ceci explique cela.
Alors, on a les rôles qui vont arriver. On espère un beau rôle villageois ou un beau rôle tout court. On va voir. On va voir. Oh. En vrai, non. En vrai, non, c'est la nouvelle version du chaman. Donc, c'est pas un mauvais rôle. C'est la nouvelle version du rôle. Et moi qui voulais un rôle à info intéressant. Enfin, intéressant et nouveau, je suis servi, parce que c'est nouveau. Donc en gros, je suis chaman pour se faire. Enfin, pff, oui, je suis chaman pour se faire, ça ne veut rien dire. Je suis chaman, donc c'est le nouveau rôle, enfin, c'est la nouvelle version du chaman. Son objectif, c'est de gagner avec le village. Et déjà, je vois tous les rôles de tous les morts, même côté la prêtresse, donc c'est cool. Ça pourra m'avantager. Lorsqu'un joueur vient de mourir et attend d'être enfin, d'être ressuscité, je reçois un message cliquable. Et si jamais je clique, je perds un cœur permanent. Mais j'obtiens aléatoirement le pseudo ou le rôle du joueur concerné. Ouais, c'est cool. Mais attends. Ok. La seule question que j'ai par rapport à ce rôle, c'est que. Est-ce que si j'appuie sur le message et que le mec se fait pas raise, eh bien je perds quand même un cœur? C'est la question que j'ai. C'est la question que j'ai. Oui, ah! Bon après normal, sinon ça serait un peu trop broken. Mais du coup, il va falloir le jouer intelligemment. Bon déjà, je sais comment utiliser mon pouvoir. Si jamais je vois Nartko mourir dans les premiers, j'utilise le pouvoir parce qu'il se fait infecter environ une game group sur deux. T'as une minute. Ah oui, il y a une minute d'auquel temps. Ok, donc tranquille en fait, c'est ultra simple. Je peux le faire. Ah ouais, donc je peux attendre. Ok, je pensais que je pouvais appuyer que dans la fenêtre entre le moment où il y avait le message ou quoi. Mais en fait, tranquille. Une game sur deux tout court. Bon, en GameStop, en vrai, il meurt moins donc. Il s'est moins affecté. Mais dans la game group, ça arrive souvent qu'il se fasse tuer assez tôt dans le début. Bref, merci au nouveau sub. Merci Mikadox pour les 11 mois. Merci pour le resub, ça fait plaisir. Et merci également à Mojomarito pour les 11 mois également, le club des 11. Merci beaucoup à vous deux. Merci pour les resubs. On a passé au-dessus de 1000, d'ailleurs je viens de remarquer ça avec tous les subgifts de tout à l'heure, donc merci à vous. Et après le club des 11, c'est le club des 12 avec Chibrobis. Merci pour ton resub. Merci beaucoup à toi pour ton année de sub. C'est gentil. C'est gentil. Bon, on va récupérer. C'est bon, j'ai largement assez de fer. On va récupérer. Enfin, on va faire une pioche et on va s'enterrer. Ok. On s'enterre, on fait ça et on est bon. Et on descend, comme il faut. Tu vois le nom des joueurs, c'est pour que si tu cliques, donc tu pourras pas savoir. C'est vrai, oui. Ok. En fait, c'est pas dans le même sens que ça que j'entendais. Ah, on obtient aléatoirement le pseudo ou le rôle du joueur concerné. D'accord. D'accord. Mais pourquoi cette chute là? Pourquoi ça se TP? Wesh. C'est normal qu'il se TP ou je sais pas. Donc tu cliques si le joueur meurt. Ouais, ça j'ai compris du coup. Mais ouais. Du coup, il faudra voir si jamais, ouais, si jamais je vois que son rôle c'est pas ancien, c'est plus compliqué. Si je vois que son rôle est ancien, bah du coup je peux avoir un save facilement. Si je vois que son rôle c'est autre chose que ancien, bah là c'est compliqué parce qu'il faut que je termine la personne. Et si j'ai juste le pseudo, bah là, ça dépend s'il se dévoue un peu quoi. On verra bien. La table de Nex, du coup Nex TP sur lui, ok. Ça va, ça cheat pas. Bientôt on va faire des slash clear pour des beats. Mais attends, si le gamer brouille le rôle, comment ça marche? Tu regardes le tueur et t'as son rôle. Attends quoi? Faut que je vais essayer de réfléchir et de lire votre message en réfléchissant. Si le gamer brouille le rôle, comment ça marche? Tu regardes le tueur et t'as son rôle. Bah enfin, je vois pas. Ah! En vrai, c'est possible. En vrai, ça peut aussi counter le Grimmer. Ça peut counter le Grimmer. Bien vu. Non mais si, non mais j'ai compris. Non mais j'ai compris ce qu'il veut dire. En gros, si jamais je vois qu'un mec est mort et qu'il est loup-garou,
Je peux choisir d'appuyer sur le message. Et si jamais je reçois le rôle et que je vois que le rôle, je sais pas, c'est sœur, eh bien du coup, je saurai que la personne a été tuée par le Grimmer. Et du coup, que bah, on s'est fait baiser. Tu parles le pseudo. Ouais, mais je pense que c'est rentable. Je pense que si jamais il y a un loup-garou qui meurt tôt, je vais essayer de faire ça parce que ça peut être. Ça peut être grave stylé. Ça peut être grave stylé. Moi, je pense que je vais tenter. Ça peut être une façon intéressante d'utiliser ce rôle, hein. Un peu original. Bon, je vais chercher par contre une table. Une table. Enfin, de l'oopsie pour me faire une table. Ça serait bien. Pas de couple, effectivement. Bah, tant mieux, je suis content. Parce que voilà. À chaque fois que j'ai un rôle info, je suis en couple. Enfin, c'est arrivé que la dernière fois. Mais c'est quand même casse-couille. Donc, si je peux pouvoir tester un rôle à info, je préfère le faire en étant villageois. Nice, on a tous nos diamants. Tout pile. Mais ouais, je suis vraiment. Enfin, je suis content de pas être en couple pour cette partie. Là, je préfère tester mon rôle à info. Et tester le truc que je veux faire. Parce qu'il y a moyen de faire des choses intéressantes. Bref, et la trublie. Vous savez que je me suis fait trublionner deux parties de suite en SV. Ça m'est arrivé deux games de suite de me faire trublionner en SV. Genre déjà, les chances de se faire trublionner deux fois de suite sont minces, mais deux fois de suite en tant que SV, bah c'est ridicule. Donc j'espère que ça ne va pas m'arriver une fois supplémentaire. Sinon, je vais tout casser. Il y aura plus de fun et chill là, il y aura juste. Il y aura juste du. Je sais pas. En fait, je sais pas ce qu'il y aura, mais il n'y en aura plus en fait. Il n'y aura plus rien. Bon, allez, on continue tout droit, il n'y a pas de fucking lava. Donnez-moi l'enchant. J'aurais dû miner aussi. Non, en fait, j'ai même pas d'occasion de miner aussi plutôt. Tapage du bureau, c'est ça. C'est vrai que je peux taper mon bureau. Bon, là, ça fait pas trop de bruit vu que j'ai pas un micro sur table. Mais bon. Je peux pas tuer Guy en arrivant. Bien sûr. Maintenant, il n'y a plus les pouces rouges. Profites-en. Allez, on y va. On va tout droit. Pitié, donnez-moi de la lave. Mon niveau, je suis pas mal en fait. Je m'en rends pas compte, mais j'ai déjà plus d'un stack, c'est pas dégueu. Idéalement, oh non, j'aimerais être remonté dans une vingtaine de minutes. On va essayer d'aller le plus vite possible, mais bon. Il y a plus satisfaisant à taper que le bureau. Ah. En vrai, no joke, c'est très satisfaisant, je trouve, de taper un bureau. Je sais pas ce qu'il y a de plus satisfaisant. Surtout que j'ai un tapis de souris, très, très grand, donc du coup, c'est une matière agréable. Je sais pas ce qu'il y a de plus agréable. Un mur, je trouve ça pas cool. Ça te défonce les phalanges. J'ai déjà essayé plusieurs fois, ça fait mal. Mon crâne, bah ça c'est pareil, ça fait mal aux mains et à la tête, je trouve. Surtout si tu tapes fort. Une canette. Non, c'est horrible, après ça en met partout par terre. C'est casse-couille. Ah, tu sautes dessus, tu la tapes. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve que. Ouais, le bureau, c'est vraiment le top. Parce que, en fait, ce qui est bien avec le bureau, c'est que tu tapes par le dessous de ton poing. Et ça fait c'est une sensation presque agréable. Alors qu'avec le poing, c'est. Avec les phalanges, ça fait mal. Ok, nous avons. Cela. Mets un coup de coude comme de gui. C'est pas un réflexe qui m'arrive de mettre un coup de coude quand je rage. Malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement en vrai, parce que ça va faire très mal. Moi, je tape pas. J'ai juste pas trop peur de quelque chose. En vrai, ça m'arrive assez rarement de taper. Ça m'arrive même quasiment jamais. Oh, nice, petit extrait. La dernière fois que ça m'est arrivé. En vrai, la dernière fois que ça m'a cassé les couilles un truc, et que j'ai tapé mon bureau, c'était genre il y a un mois. Je devais faire mes déclarations URSSAF, je sais pas quoi. Enfin, si. Mais leur truc, enfin, c'était trop de la merde. Il y avait un bug sur leur site de mort. Je ne pouvais pas les faire. Du coup, j'ai balancé ma souris à travers ma pièce. En plus, c'était la souris que Logitech m'avait envoyée. Mais heureusement, elle n'a pas été cassée. Elle fonctionne toujours très bien. Du coup, si jamais vous ragez, je vous conseille la Logitech G Pro Super Light parce que bah, elle résiste même quand vous la balancez dans votre pièce. Je vous la conseille. Mais sinon, ouais, j'ai rarement. Attends, ah non, il me manque encore un diamant en fait. Enfin, deux du coup. Mais sinon, ouais, qu'est-ce que j'ai cassé d'autre rien? Ça m'est arrivé une fois de casser un verre, mais c'est pas parce que je l'ai cassé, ni lancé, ni éclaté, c'est juste parce que j'ai tapé sur mon bureau et il est tombé. Donc ça compte pas vraiment comme casser un objet. Sinon, ouais, je casse très peu de trucs. Vraiment, je suis pas.
En fait, je suis un rageur vocal. En vrai, non, si. Par contre, ce que je faisais, c'est que je me mordais la main tout le temps. Ça, j'en ai déjà parlé. C'est le seul truc que je faisais à la place. Ce qui est pas très sain. Je vous le déconseille aussi. Mais bon. Je deviens un titan, en fait. Mais du coup, ouais, ça fait mal, quoi. Mais ça m'arrivait surtout pendant mes périodes de. Du UFC, en fait. Quand je traînais les UFC en 2017-2018. Et que je jouais sur Bad Lion. Il y avait des fois des. Des games ou des trucs extrêmement frustrants. Et du coup, bah. Je me mordais la main. Et quand j'étais dans des périodes où. Où ça arrivait beaucoup, et eh bien ma main elle était défoncée. Genre, il y avait la peau qui faisait mal de fou. Mais je finis par arrêter. En arrêtant de jouer. À ça, quoi. C'est pour ça que je ne joue plus en UFC. Ça me faisait trop rager. Enfin, ça me fait toujours trop rager, hein. Ça n'a pas changé. Bon, je peux rien enchanter parce que j'ai pas d'enchant qui vaut le coup. On va faire ça. Comme ça, au moins, on peut se faire une sharpness 2. Et gagner un peu de place. Pro 2, gagner un peu de place. On sort des bottes aussi. Comme ça, on pourra peut-être reset les enchants. Prot. Merci, messieurs. J'ai failli me casser le petit doigt sur une partie de FF. Je sais plus recommencer. Le petit doigt. Comment ça va là? De quoi? C'est quoi l'état du rôle? Voilà, je le remets là. C'est la fin de l'expliquer. Enfin, en gros, je vais l'expliquer quand même. Je vois tous les rôles des morts, même si elle est la prêtresse. Et dès qu'il y a un joueur qui vient de mourir, je le vois dans le chat en avance. Et contre un cœur permanent, je peux choisir de voir le pseudo et le rôle du joueur. Et c'est très utile, par exemple, si je vois qu'il y a un mec, j'ai le message de sa mort. Et après, il n'y a pas de message de mort officiel, donc ça veut dire qu'il est Thérèse. Et du coup, ça me permet de savoir qui est Thérèse. Voilà l'intérêt de mon rôle. Donc c'est un bon rôle. Se coincer les doigts égale douleur de la mort. Oui, c'est pas faux. C'est la pire douleur possible. Comment ça, tu mords la main? Genre, tu prends ton poids, tu fonces. Non! Genre, le côté en dessous du pouce. Attends, c'était comment que je faisais? Je vais essayer de check. Non, genre, ouais, le truc qui a la peau qui est entre le. Qui est au début de la main, entre le pouce et l'index. Là, il y a de la peau qui est facilement tirable, normalement. Et la peau qui se tire facilement, et eh bien, c'était à ce niveau-là. Attends, j'ai pas la cam, je peux pas vous montrer. C'est pratique. Mais ça fait mal. C'est limite fait pour, c'est ça, hein? C'est fait pour. Comment vous voulez que je leur pas la main quand on a une main faite pour ça? C'est du staff, c'est du self-farming, donc tu n'as pas le droit de montrer. Bah si, parce que je me serais pas mordu pour de vrai, quoi. Let's go. Même je crois sans ressources. Oui, mais fin. Est-ce que c'est du self-farming de dire que je me suis mordu comme ça la main avant? Non, quoi. Rien à voir. Les bruits de scie sur l'ASMR. Ah bon? J'ai pas fait gaffe. Désolé, alors c'est le cas. De le montrer. Ouais, mais. Enfin, c'est pas comme si je montrais une technique de fou. En mode what the fuck. Enfin, j'ai juste mis la main dans ma bouche, quoi. Vraiment, le truc de fou. Même pas, je m'ai pas mis dans la bouche. Je voulais juste montrer l'endroit, quoi. Je vais montrer une partie de la main, quoi. Vraiment, c'est le self-farming de fou. Putain, c'est du self-farming. J'ai montré mon cou. Et quand les. Enfin, bref. Je pensais que tu voulais mettre dans la bouche. Enfin, même en tout cas, mettre sa main dans la bouche, ça fait rien, quoi. Ça fait pas mal de se mettre la main dans la bouche, quoi. Sauf si tu mords. Combien de fois ça m'est arrivé? De quoi? Ah non, j'ai pas eu le message, quel dommage. Merci The Prism pour les 4 mois, merci à toi. Merci beaucoup pour le resub, les 4 mois de suite en plus, c'est gentil. C'est gentil, on y va. Alors, il manque encore quoi enchanté? Deux sharpness et sinon du. Ouais, du proto cacheur, okay, plus tard, j'ai pas encore ces niveaux. Let's go. Erreur, Missy Gill. Lost Place, c'est à toi. De l'or, ça continue bien l'or. Bon, j'en mets une bonne grotte par contre parce que. Ouais, j'aimerais avoir de l'XP en masse.
Surtout. Pour terminer mon enchant et après remonter. Ça me dérangerait pas. Bref. Trop bien, t'es bien en or. Ouais. Je suis Oh nice, on a des arcs. J'ai pas de plume par contre. Si j'en ai 9, ça va. Pas ouf, non, il est bien le nouveau chaman. Nouveau chaman est cool. Après, c'est vrai que forcément les gens croient que c'est nul vu qu'ils le connaissent pas encore, mais c'est un bon rôle. Enfin, un bon rôle. C'est pas dans les meilleurs rôles info, mais il reste bien quoi. C'est affecté ton rôle, c'est rien, effectivement. Bon, après, c'est sur le cas des rôles info de toute façon. Hein. Les rôles info, ça va trouver les loups, donc une fois que t'es infecté, tu t'en fous. Sauf la voyante à la rigueur, tu peux trouver le LGB, mais. Voilà quoi. Rôle qui dépend des gens alors que personne ne fait effort flemme. Difficile de faire pire que l'ancien. En vrai, l'ancien ça va parce que. Au moins tu peux tenter des trucs quoi. Même si c'est ça dépend aussi beaucoup de si les gens attaquent ou quoi, mais bon. Ça va être exploré. Quelle tristesse. Merci Kung Fu pour les 4 mois de sub. Ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Merci pour cela. Et Sky, bienvenue, c'est ton premier sub ici. Donc je te fais la bienvenue et merci beaucoup à toi pour ça. J'ai des du sub avec Omega. Salut. Salut mec, T'es bien équipé? c'est moi qui Ah, explose je me les deux. doute. Il y avait deux bouquins. Oh, t'as eu quoi? Char 3 dans sur un et Power 3, et protection 3 sur l'autre. Oh, bon, ça sert pas à grand chose, mais t'as gagné du temps, on va dire. Sauf si t'es solo, Bah ça t'a mis bien. genre j'ai respiration 3, tu vois, je vais avoir Ah un oui, le casque truc de de fou. fou. Mais t'as pas de diamant Ouais, ou et t'as les deux juste pas fait donc ton stuff? j'en ai que 3, donc Ah oui. j'ai les bouquins mais T'as pas d'enchant? j'ai pas l'enchant. Allez, tu veux que je prête? Je peux même te miner de l'oopsie s'il y a de la lave à côté. Alors j'en ai toujours pas vu, donc je t'avoue, Ah merde. je dirais pas non, mais bon, Je vais essayer de voir s'il y en a pas en dessous vite fait. un peu compliqué, je pense. Est-ce qu'il y en a? Ouais, non, il y en a pas du tout. Ouais, ça va être compliqué. Bon, t'inquiète, t'inquiète, je vais faire avec. Je vais chercher un petit peu. Ou sinon, je peux même te vendre ma pioche. Contre, tu veux un petit peu. Allez, Le... tiens, regarde, je te donne de quoi te faire deux gaps. Oh, bah tiens. Oh Elle aura là, pas mais. abîmé, mais ça devrait suffire. Ouais, ça m'arrange, hein. Let's go. Let's go. Le businessman. Parce qu'en fait, ouais, bon, j'ai de l'or, mais Ouais. j'ai Moi pas ça de va, j'ai un ce qui peu est de tout. intéressant. Il manque juste de l'XP là. Ouais, bah, je vais te laisser reprendre, hein. Parce que du coup, j'ai un bouquin pour faire mon épée déjà, j'ai Ouais, un t'as de quoi tout bouquin pour faire, faire mon effectivement. casque, j'ai juste fait les pantalons, quoi. Je vois. J'ai juste fait des pantalons, ouais, j'ai rien d'autre. Tu viens d'où du coup pour savoir? Par là, je dirais. Ok, bah moi je viens de là-bas. Donc bah Je vais aller continue. par là, je pense. Ok, bah je vais par là alors. Ah, des bisous, mec, merci pour la A pioche. plus, de rien. Merci pour l'or. Oh, ok, on a fait du commerce. En vrai, c'est rentable vu que c'est du Hasty Box, donc dans tous les cas, on mine très vite. Et je récupère deux Gapples. Donc c'est rentable. Bon, faudrait juste que je m'arrête pour crafter régulièrement, mais tranquille. Ça me va. Ah, il voulait qu'il me vole la table, c'est ça? Je l'aurais buté, un autre joke. Je lui avais réflexe en me disant qu'il devait le tuer. Faudrait que je me rappelle qu'il est chaman. Ouais. Je sais pas trop. On tue plus trop en cave, mais c'est vrai qu'à l'époque on faisait ça. C'est vrai qu'à l'époque ça arrivait de s'attaquer en cave en loup-garou UHC. Je sais pas comment ça se fait que ça arrive plus. Enfin bon, déjà c'est parce que c'est plus trop fun, mais je veux dire, même avant ça arrivait de temps en temps qu'il y avait un couple qui se fasse écouter. Et du coup, bah il y a pas trop le choix que de tuer. Que de tuer le mec en cave. Maintenant ça n'arrive plus. Plus du tout. C'est-à-dire coup oui. Mais bon. Même maintenant que ça le soit vraiment, bon c'est pareil. C'était pas. Ça n'arrive plus quoi. Ok, on y va. Cherchons une bonne cave. Pour terminer ce minage. Une bonne cave avec de l'XP et après on est bon. Je pense que je ferai que Power 2, je vais la flemme de faire Power 3. Ça me suffira bien. Et après bah. C'est tout quoi. Maintenant c'est la lave qui kill cave. Non, les dégâts de lave sont désactivés. On a enlevé ça, enfin ça a été fait pour éviter bah, ça justement. C'est aussi inutile que de l'équilibrer, oui, clairement.
Maintenant, c'est beaucoup plus en cave. En vrai aussi, dans les game groups, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ça empêche pas qu'il y ait des gens qui se font entendre. De temps en temps, enfin, surtout en couple, quoi. Quand t'es en couple, t'es obligé de te démute finalement. Quand tu vas voir ton protégé. Puis surtout que maintenant, généralement, quand tu vois deux mecs en cave ensemble, tu vas plus les écouter pour savoir s'ils sont en couple. Tu vois juste deux mecs ensemble, tu te barres et tu te dis, ah bah, ils sont sûrement en couple. Donc aussi, il y a un peu moins de risque pris. Donc je pense qu'il y a un peu de tout. Qui fait qu'il y a moins de kill cave. Ok. On est content, on a ça à s'enchanter. Par pitié, des bons trucs. Prot, maintenant, sharpness, deux sharpness, non, toujours pas. Un sharpness, on est bon. Oui. On fera peut-être un mirror orcs si on n'a pas le choix, si on n'a pas le choix pour les enchantes. On a tout. Ouais, let's go. Une cave encore explorée, par contre, ça c'est un peu problématique. Bon, en tout cas, explorée par un bon joueur. Pense que, en fait, pour ne pas voir cette heure-là, il faut automatiquement avoir un FOV inférieur à 60. Et ça, c'est la marque des grands joueurs. Merci, Tassa, pour le Prime. Merci beaucoup à toi. Et bienvenue, vu que toi aussi, c'est ton premier sub ici. Donc je te souhaite la bienvenue et je te remercie. Et on va y aller. Bon, prenons de l'XP. J'ai fait mon P de là, ouais, ok. On a déjà un début de truc. Prot. Prot. Merci. Ok. Encore une cave explorée, mais c'est pas grave, on a l'XP, c'est le plus important, j'ai deux stacks d'or, donc ça me suffit pour un bon nombre de points en or. Dans tous les cas. J'ai oublié aussi Lion en resub, désolé. Donc merci pour ton resub, merci pour tes 15 mois. Merci à toi. Je crois qu'il y avait du. Vraie question, il te rapporte beaucoup ton co-créateur? Pas vraiment, non. M'a jamais rapporté beaucoup, déjà parce que je l'ai pas beaucoup pub. Et surtout parce que je suis pas dans les commu Fortnite ou quoi. J'ai pas le droit de dire combien j'ai gagné, mais. Ça pour le coup, je sais que j'ai pas le droit. Mais c'est pas des masques, vraiment, c'est pas beaucoup. En vrai, je peux. Bon, non, je sais même plus combien. De toute façon, je check même plus combien j'ai gagné depuis longtemps. Je sais même pas si j'ai encore un compte lié à ça pour récupérer l'argent, mais bon, OSEF. Ça doit être 50 balles à tout casser. Faire un sondage sur n'importe quoi qui reste dans le respect. Oui. Tant que c'est dans le respect, oui. Enfin, après 50 balles, ça reste cool, mais je veux dire. C'est 50 balles en 2 ans, quoi. En lisant de code créateur. Or, Bolo versus Carbo, ça reste. Bah, tant que c'est pas dans le chat, c'est pas dérangeant en vrai, hein. Ce genre de truc. Mais bon, ouais. Mais vaut dans un sondage que dans le chat. Christophe Fritter Misty. Le débat. On a fait le tour. Hein. Vrai débat. Ah, le gros débat là. Hein. En vrai, no joke. No joke. Si on va. Ah, attends, c'est le plus con. Attends. Ah, le débat qui a été. Ça a pas été précisé. Y a pas eu de question, c'est vrai. Y a pas eu de question, c'est vrai. Du coup, bah, la question a été faite. Alors, on s'est trouvé de diamants dans un coffre. On prendrait ça. En vrai, je pense que. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a plein de vidéos sur ma chaîne où il y a Fritos qui se fait hashtag manipulé par Gap et Trahir. Du coup, ça peut vous donner un élément de réponse. Ça peut, hein, je dis juste ça comme ça. Bref. Il y en a un des deux qui voulait donner son argent d'anniversaire à Gap. C'est vrai que la balle est au centre en fait, il y a des arguments dans les deux camps. Truc de fou. Bon allez.
je me trompe au secours. Aïe aïe aïe. Ce débat qui a créé de la tristesse parmi le chat. Les pauvres. Army a eu moins 1 sur 30 en anglais. Sérieux? Ou c'est une blague? Parce que ça se trouve dans le système belge, il se passe des trucs bizarres. Il peut y avoir des notes négatives. Parce que si c'est vrai, c'est honteux. Ah, sur 20. Ok, donc ça m'a l'air vrai. Moins 1 sur 20. Je sais plus exactement, mais il y a une note négative. Quoi? Mais comment c'est possible? C'est le genre de note où il t'enlève... Ouais, où c'est... Il t'enlève des points par erreur, c'est ça? Au lieu de te faire gagner des points par bonne réponse. Aïe, aïe, aïe. T'es au moins 0,67. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est tragique. Bon bah c'est Fritos qui a quand même remporté ça. Étonnant. Ou peut-être pas finalement, je ne sais pas. C'est les gens qui ont voté finalement, je n'ai pas eu mon... J'ai même pas voté. Bah GG. GG pour ce sondage. Comment tu fais tes en anglais? Après il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres en langue quoi. C'est comme ça quoi. Après il me semblait que les Belges ils étaient plutôt hauts dans le classement des apprentissages de langue. Donc peut-être qu'on a eu quelque chose de différent. Hein. Mais l'anglais, c'est même le plus court débile qu'on prend. Bon après ça dépend des gens. Comment tu peux être bon allemand? Après l'allemand, enfin de ce qu'on m'a dit, l'allemand c'est... C'est casse-couille en termes de prononciation et de trucs, mais en termes de grammaire... Ça a pas l'air d'être la plus dure, enfin c'est ce qu'on m'a dit. Genre les phrases c'est comme des Legos. Après, je sais pas si c'est vrai, j'ai jamais fait d'allemand, mais c'est ce qu'on m'a dit. Compréhension orale, c'est le pire, ouais. Le plus relou, c'est les neutres. Moi, je comprends l'anglais, mais pour parler, faire des phrases, c'est pas pour moi. Ouais, je vois. Moi, ça va. Je pense que ma... En vrai, j'ai pas été... Ouais, bah, j'ai pas été dégueu. Malgré mon... le fait que j'étais un peu rouillé lors du Teach Revolts, mais j'ai pas non plus été... excellent, on va dire. Bon, on va remonter. Merci Juramar pour les 24 mois, les 2 ans de somme, merci à toi, c'est plaisir. Merci à toi. Et un sondage utilisé. Attends, mais explique... Enfin, n'hésite pas à dire ta question au Kalino. Bah du coup, tu peux plus, vu que t'as plus de... Enfin, t'as oublié de mettre la question du sondage. Bon, je suppose que tu veux juste dire la langue préférée. Mais bon. Du coup, ouais, c'est ce qu'il y aura. L'épée les bots. Ah j'ai pas fait l'épée encore, c'est vrai, merde. Les bots ça je savais mais j'avais juste l'intention de me faire des P1 parce que j'ai un peu la flemme mais... Faut que je fasse l'épée aussi. J'ai mis le plus facile, ok. Le plus facile alors. Pour moi le plus facile entre... c'est clairement le... l'anglais. Après l'espagnol... L'espagnol, en fait, la seule difficulté dans l'espagnol c'est d'apprendre par cœur les conjugaisons. Et des trucs comme ça, puisqu'en soi, niveau vocabulaire, ça se ressemble beaucoup avec le français. Niveau fonctionnement et niveau temps, c'est très très similaire au français. Vraiment, c'est les mêmes temps, quoi. Les mêmes modes, le subjonctif, les trucs comme ça. C'est juste qu'il faut réapprendre les conjugaisons, et ça casse bien les couilles. C'est la seule difficulté, je trouve, dans l'espagnol. L'anglais, il y a de la conjugaison, en vrai. Faut pas sous-côté, il y a des temps un peu casse-couilles. Mais ça reste quand même simple, l'anglais. Donc je mettrai l'anglais quand même en plus simple, parce que faut pas oublier que dans l'anglais il y a 80% de vocabulaire entre l'anglais et le français qui est... enfin, qui est similaire quoi, genre c'est des faux amis ou des trucs comme ça. Enfin non, pas des faux amis justement, mais des... Je sais pas c'est quoi le mot, mais en gros des... Les mêmes mots, mais juste dans une langue et dans l'autre. Il y en a 80% des mots en anglais. Donc c'est beaucoup. Enfin, 80% des mots en commun dans les langues. En plus c'est la langue universelle que tu vois partout. Dans les jeux vidéo, sur les réseaux sociaux, dans les séries, donc à force... En fait, même sans apprendre, tu apprends, quoi. Genre moi, j'ai l'impression d'avoir jamais vraiment fait d'effort pour apprendre l'anglais. Et pourtant, je suis bilingue. Bon, après, forcément, j'ai fait un trimestre de fac. Et ça m'a appris certains trucs, comme certains temps compliqués. Mais le reste, j'ai l'impression d'avoir juste appris en... Bah, ça s'est appris tout seul, parce que on baigne dedans, quoi. Donc pour moi, ouais, l'anglais est le plus facile, et forcément, c'est ça qui gagne le sondage... De manière explosive, bravo à l'anglais.
75%. Voilà, il y a que les seuls trucs casse-couilles à apprendre, c'est les verbes irréguliers en anglais. Hein. Mais une fois que tu les as appris, bah c'est fait. Puis surtout, t'as pas besoin de tous les apprendre, t'as seulement besoin de d'apprendre les principaux, puis après les autres, tu les apprends progressivement. Juste. En vrai, non, cancel le sondage. Je pense que ça sert à rien. Je trouve que c'est moins intéressant de faire des sondages sur des gens. C'est pas très drôle. Enfin, parce que c'est un peu dans le même délire que les questions du chat. Machin ou machin. Remboursez-lui ses points si vous voulez. Mais ouais. Mais du coup, ouais, l'anglais, voilà, c'est plus simple. On va remonter du coup. Faut que je crafte mes gapples et tout le tralala. Et on ira au centre. Il y a encore une logique dans les irréguliers. Oui, il y a une certaine logique. Mais après, enfin, je sais pas si on parlait de logique, c'est juste qu'il y a des patterns. C'est plus des patterns qu'une réelle logique. Plus ça qu'on pourrait dire. Parce qu'en soi, des fois, il y a des trucs qui commencent pareil et pourtant ça se conjugue différemment. Est-ce que j'ai assez de flint? Il en faut 9. Oh, ça rend pas. Alors, on prend le. Voilà, ça sera plus vite de prendre ce qui est là, ça sera plus simple. Aïe. Let's go. Par contre, on devrait être heureux d'être français, notre langue est belle et tellement chaude à apprendre. Oui. Après, je sais pas si c'est nécessairement une bonne chose. Mais ouais. Disons qu'on a de la chance, en vrai, si. On a de la chance d'être français parce qu'au moins on n'a pas à apprendre une des langues les plus intéressantes, enfin les plus dures du monde quoi. On n'a pas besoin d'apprendre une des langues les plus dures du monde parce que bah on la connaît déjà en fait, vu qu'on a vécu avec. Bon, on les fera dans l'ordre les sondages. Bon, c'est le dernier sondage qu'on fait je pense parce qu'après je vais au centre et on arrêtera de parler. Attends, pour les dentifrices, rajoute une troisième option, les deux. Rajoute une troisième option, les deux, parce que je pense qu'elle est utile. Faut que je coupe les trois arbres. Voilà, avant et après. Il faut cette troisième option. Moi, je fais les deux. Mais après, si je vais choisir un, je dirais avant. Parce que je trouve que le plus important, c'est d'avoir la brosse à dents qui est mouillée. Parce que sinon, c'est désagréable. Alors qu'avoir le dentifrice mouillé, c'est pas. Ça change pas grand-chose, mais je le fais quand même par réflexe. Donc, je dirais quand même les deux. Et 100, ah oui, 100 aussi. Mince. Attends, go annuler et f... Ah merde, on peut pas l'annuler, bon bah tant pis. On aurait dû mettre 100. On aurait donné une troisième option. Aucun des deux. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est. Ah bah, il est déjà fini? Ah, t'as pu le finir, ok. Je pense pas que tu pouvais le finir manuellement. Moi, ça marchait pas. Bon, il va être edit du coup. Il va être refait. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? On a quelques flèches à crafter. Mais j'en ai plus que ce que je pensais des. Attends, mais il est où mon flint? Pourquoi j'ai jeté mon flint? Ça m'en faut plus parce que j'ai tué d'autres plumes, enfin d'autres poulets. Voilà. Ok. Voilà, ça c'est bien. Tu veux quoi toi? On a un arc, c'est cool aussi. Ils n'ont plus qu'à se faire les pommes. Alors, l'eau sur la brosse à dents, moi je vais mettre du coup. Let's go. C'est gardé pour cette vache, elle m'a mal regardé, hein. Elle me fixait de manière disrespectueuse. Je lui ai appris le respect. Vois, cette vache-là, elle me respecte. Elle se barre, elle n'ose pas me regarder. C'est comme ça qu'elle aurait dû agir l'autre si elle voulait survivre. Du coup, c'est avant et après qui gagne. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même quelques-uns qu'on met pas. Il y en a quand même quelques-uns. Bon allez, on se fait nos pommes, je pense qu'il m'en. Enfin, il m'en faudra clairement plus. J'en donnerai au centre en espérant qu'il y en ait. On a 20 gapples, on peut même en avoir 22. Si on récupère deux pommes en plus, on fera ça au centre. Bon, j'ai pas beaucoup de blocs par contre. Ah si, j'ai beaucoup de ça, donc ça va. Ah non, j'ai oublié de faire mon épée.
Bah, tranquille, il me faut juste 5 niveaux. Il me faut juste 5 niveaux, donc on le fera. Il faut que j'aille par là, du coup. Allons-y donc. Meilleur mode de jeu. Bon, ça pour moi, clairement, c'est Lugaro UFC. Il n'y a pas de questions valables. Enfin, il n'y a pas de questions qui changent, quoi. Après, c'est normal parce que c'est aussi le plus vieux, quoi. C'est le jeu original. Bon, en vrai, non, il y a Top Gun qui est plus vieux, mais. À part ça, c'est le plus vieux. Celui qui a eu le plus de saisons, donc on a eu le temps de le voir s'adapter. En plus de ça, sans vouloir se vanter, le fait qu'on ait des bons joueurs dans les games LG fait que le mode de jeu évolue mieux. Puis en plus, on a Lapin qui s'en occupe, qui lui aussi est smart. Donc tout ça fait que LG, pour moi, c'est le meilleur mode de jeu. En plus, c'est celui qui mêle le mieux stratégie et tout, quoi. Enfin, PVP. Donc ouais, pour ça, c'est bien. Merci au gars qui a voté à Oteille. Il doit sentir seul. Putain, je savais que LG allait gagner, mais je pensais pas qu'il y aurait autant de. Enfin, que ce serait aussi éclatant. Je pensais pas que ce serait aussi éclatant. Je pensais que DS aurait quelques voix de plus. Pareil pour Chainsaw, mais du coup, bah non. Au moins, vous êtes des vrais. Je sais que j'ai des viewers intelligents. Ok, il me faut quelques niveaux de plus. Point d'exclamation pack, tu devrais avoir le lien normalement, je crois, si ça a bien été. Ouais, voilà, c'est bon. Et ça critique les yeux. Après, chacun ses goûts, on va dire. Smile. Après, Chainsaw, rien à voir avec les autres jeux. Oui, c'est différent, mais. C'est vrai que c'est dur à comparer, quoi, mais. C'est plus un scénario. Un scénario UHC. Enfin, ouais, c'est dans la même lignée que les Fates ou les Nuzlocke, c'est pas la même chose. C'est mal perfectionné, le jeu original est déjà génial. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que le mode jeu original est génial, mais le concept est cool. Alors, what the fuck, c'est quoi ça? Bah ouais, bah tu veux refundless, tu vois. Bon allez, je vais enlever la musique et on va commencer à jouer pour de vrai. On va se démute. Et on va se mettre en full screen, let's go. Et gagnons cette partie de folie. C'est quoi ça? C'est pourquoi? D'accord. C'est la musique de Sergio Ramos. Ouais. Ah bon? Pourquoi? Pour l'Espagne. Oh. J'espère que tu vas pas te faire prendre un strike ou un truc comme ça. Non, c'est bon. Ok, tout va bien alors. Je connaissais pas cette musique. C'était pas incroyable. Hein. C'est fini votre délire de poche, c'est bon? De poche? Ah, elle est range ta poche. Oui. Bah, c'était poche, un jour. Hein. Ah, ouf. C'est fini après. Heureusement. Range ta poche. Le Discord, bah il est pas c'était même pas un jour, c'était une heure. Mais ça venait de quoi en fait? Bah en fait, on s'est juste dit un soir, venez on crée un Discord, on invite le plus de gens possible et voilà. Ah d'accord. Et pourquoi genre, poche le serveur, il ferme dans une heure. Range ta poche. Parce que notre. Je sais plus, c'était Arnaud qui avait. Notre Discord avait dit il s'appelle Jean Patoche, du coup là on a fait range ta poche parce que bah. Oh malin. Bien joué. C'était très malinx. Malinx. Attends, je prends en photo gap. Mais il y a toute la game. Oh, merde. Ouais, on est 10 millions. On est 10 millions. Mais que 18. Mais en fait, on était là en premier. Salut, en fait. Quelqu'un a deux pommes. Bah ouais. Ah, ouais, deux pommes, diamants, les gars. Deux pommes. Oh, Guillaume. Merci. T'as deux diamants? Ouais. Non, je pense que tu m'en attends. Ça, t'as vraiment deux diamants? Bon, bah attends, je barre. J'ai fait mon marché, puis je m'en vais. Salut, Ficano, ça va bien? J'ai des suspicions sur toi vu l'heure à laquelle t'es arrivé. Bah pourtant j'ai eu le meilleur cadding de ma vie. Bah ouais c'est pour ça, d'habitude tu arrives plus tard. Bah après c'est que proportionnellement à la chatte que j'ai en Kiev, d'habitude j'ai un rôle que je déteste. Salut les gars. Dadou. Ça va? Ça fait longtemps? Ça va et toi? Bah écoute. Pourquoi t'as pris ce compte là? C'est quoi ce nom? Non c'est juste pour avoir. Ah oui. C'est juste pour faire un pantalon à la place quoi. Non j'ai fait deux pioches en game ça. Oui je sais j'entends. Ah oui d'accord. Ouais, je suis con, ouais. Moi j'ai vendu ma pioche en diams contre 16 d'or, je suis content. Oh, ah oui. Ah
Comment, comment ça? J'ai croisé quelqu'un en Kiev qui n'avait pas d'enchant, du coup je lui ai vendu ma fiche en diams. Qui est con, assez con pour faire ça avec le bureau là. Non, non, c'était pas maintenant. Je marronne mon pote, ça va quoi? Ouais, Damien, ça va. Il te reste pas des diams d'ailleurs, Fuka, vu que t'en as beaucoup? Non, non, j'ai eu 2 diamants dans un. Y'en ai pas. Dans un coffre de Minecraft, et sinon j'ai fait le stuff normal quoi. Et vous avez combien de diamants? Oh le flop. Deux. Ah, mais ça donne, y'en a pas. J'ai 2 diamants. Hein? Wesh, allo. Oh, tu me les as donnés? Oui. Mais tu es une si bonne personne? Oui, je sais, je sais. Oh, merci pour ça. Avec plaisir. C'est... Ça vient du cœur. Non, mais vrai, je comprends que tu fasses ça parce que sinon je t'aurais humilié au pire facito, donc tu préfères t'éviter ça? Non, non, ça va, oui, exactement, oui. Tu me donnes des diamants et je t'insulte. Le gros chien. Bon, il me faut de l'XP par contre. Toujours pas d'épée. No tengo de espada de diamanto. Ok. Une grotte par pitié, que je prenne un peu d'expérience. Miam. Tout ce qu'il me faut. Il va falloir beaucoup d'XP vu que j'aurai aussi besoin d'avoir des... Enfin, faire mes bots quoi. Yes. Et là je retrouve du diams et de l'or, on va avoir flou. Let's go. Presque niveau 5. Yes, une épée bien enchantée. Maintenant il me faut 3 niveaux si je suis chanceux. Donc on va espérer être chanceux sur l'enchant 2. Enfin des bots qui seront, je l'espère, protection 2. Non, protection 1 du coup. Comme ça j'aurai protection 2 avec mon petit livre. Que j'ai fait juste avant, et après on va remonter pour de vrai. Bon là on n'est pas vraiment descendu, ok c'est juste pour prendre un peu d'XP. Mais voilà, on va plus redescendre après. Je descends de plus en plus profond en fait, hein. Bientôt je vais trouver du diams, no joke. Allez, par pitié. Merde. Merde. Mais... Oh, pourquoi? Enfin, bon ça va. Ça va. Bon du coup j'ai la gra... J'ai... Ouais, je vais prendre le fer, c'est vrai. Je vais prendre le fer et je remonte. Ça devrait suffire pour les deux niveaux. Ça va tellement peu. Le charbon s'aère plus vite. Let's go. Et nous remontons, plus équipés que jamais. Du la foison, de l'armure comme il faut. Attends, qui c'est qui a un power 4? Et pourquoi y'a pas le droit? Qui c'est qui a dit ça? Y'a pas le droit au power 4? Bah je sais pas, moi j'ai jamais vu de limite. Je crois que c'est dans les games, généralement c'est power 3. Ah bon? C'est power 3. Jamais vu ça. Ou alors ça a changé maintenant et on a refaussé les arcs mais... Rends-moi mon livre. Bah non, maintenant c'est un arc. Non mais attends, rigole, mais je pensais vraiment que c'était power 3 moi. Ah bon? Mais moi j'ai un petit power 4. Bah moi j'avais le livre... Non mais je te jure, je te tape. Je te fracasse. Bon, bah les couilles, donne-moi tout de suite. Tu je te l'échange contre il est pas mal, hein. Il est pas je te l'échange contre la protection. Non, poussez-vous. Poussez-vous tous. Poussez-vous. C'est mon livre à moi. C'est mal à taille d'erreur. Mais comment t'as autant de diamants NEMS encore? Regarde. Mais tu fais ça à chaque game. Comment tu fais pour le faire à chaque game? Alors, attends, Risto, vas-y, je te laisse expliquer la technique, Risto. Tu prends quelque chose qui s'appelle. Du sable. Voilà. Ah, d'accord. C'est vrai que je faisais plus ça maintenant vu que j'ai la giga flemme. À chaque fois il marcelle pour que je le fasse. Là je l'ai fait et bah j'ai pas trouvé parce que j'ai fait péter des diamants et bah ça a pas drop, j'en ai pété 4 et il y avait pas de diamants. Non mais alors attends, en fait je me faire baise, péter hein. Que les groupes de 6, que les trucs de 6. Ouais, parce que j'ai fait péter un truc de 4 et je me suis fait baiser. Non parce qu'en gros t'as 33% de chance
par truc de diamant. Non, mais la théorie craft ça, je vais te foutre en l'air. Hein. Bien sûr. Mais à toutes les games, regarde, en Demon Slayer, en machin, etc. À chaque fois, etc. Le seul truc où je suis niqué, c'est les AOT parce que le putain de serveur Golden, ils ont pas de mob, ces connards. Ah oui. T'es vraiment trop smart, Nems. Aucun mob. Ouais, je suis un mec. Très stratégique. Non, et pour de vrai, en plus, là, j'ai même pas eu besoin. J'ai juste fait match à couche 11 et voilà, c'est tout. Je vois, je vois. Par contre, pour de vrai, genre, on a le droit au Power 4 maintenant ? Bah, j'ai jamais vu que ça a été interdit. Hein. Ah, d'accord. Tu veux me rendre mon truc, s'il te plaît ? Merci. Merci. Après, il faut demander à Los de la partie, mais. Va demander à Los de la partie, on en reparle après. Mais non, mais par contre, pour de vrai, si t'as vraiment fusionné, par contre, t'es baisé. Hein. Bah... Aucun. D'accord, c'est goûté. Oui, d'accord. Hein. Oh, mais c'est normal, j'ai encore pas vu ça. Ok. Il était avec Chobax. Salvateur. Salvateur. Il y a même pas l'event lui aussi. Je vois que c'est... Oh là, il était FK. Non, je vois que c'était à côté. Mais il était avec Chobax et tout. Non, parce qu'il s'était séparé. Hein. Ouais, je sais pas. Hein. Il y a deux minutes. En tout cas, on était 5 avec Chobax et Thomas. Ils étaient deux parties d'un côté, moi, Amine de l'autre, et Jao qui est resté là-bas. Je pense que c'est les deux. Il y a plus de chances que ce soit les deux que quelqu'un d'autre, je pense. Vu qu'il y a, enfin, ouais, y a beaucoup de gens ici quand même. Une sœur qui a une info. On l'aimerait bien. Bon, moi je pense que c'est Chobax, hein. je suis quasiment sûr que c'est Chobax. C'était qui l'autre, parce qu'il était... C'était Thomas. Thomas. Et ouais, les groupes sont... Apparemment il était FK de ce que... Michel, c'est un petit... Bah je sais pas, j'ai eu le rôle moi. Putain mec, on peut pas descendre, frère. Comment tu sais, Nems? Comment ça, de quoi? Bah que c'est interdit le Power 4. Bah il vient de le dire là, il vient de le redire les gars là. Mais ouais, qui c'est qui l'a dit? Moi. Mais c'est qui Lost? C'est quoi? Mais on est d'accord, le Power 4 a toujours été... Enfin je sais pas, pour moi ça fait des mois que ça a été... Bah en fait maintenant on mettait 3 all, sauf pour les solo, pour moi Power 3 ça va aller. J'ai jamais vu un Power 4 se faire interdire. De ma vie. Bah, en vrai, enfin, sauf dans les games up des rageux de l'arc, mais. Moi, c'est dans la logique du. Bah, attends, c'est qui l'os te... En vrai, je suis d'accord, vu que personne n'en fait, pour moi, vu que t'es 3, t'es au Power 3, quoi. Après. Ah ouais. Non, c'est les gars du Power 4, c'est pour ça que moi, je l'ai pas fait, tu vois, j'avais vraiment le livre, j'étais en mode bah écoute, c'est genre, c'est la sœur, elle va démarrer un mec là. Ouais. Voilà, l'info. De toute façon, je pense qu'ils savent qu'ils sont cramés, les deux méchants. Mais il est DFK. Il y a deux, tu vois. Bah, c'est Thomas et Chobax, hein. Bon, bah, go. Je pense c'est les deux, bah, je pense. Bah. C'est avec vous quoi. Je pense que c'est une bonne excuse les gars. Ouais c'est Salvatore, ouais sûrement ouais. C'est ça, ouais. Attends mais. Ouais. Et il est. C'est prêtresse. Ah mais t'es vraiment prêtresse. Non. Non. Ah, mais voilà! Mais non, mais depuis tout à l'heure on troll, il était sœur. Il a vraiment pas eu le rôle, hein! Nanox, t'as pas eu le rôle! C'était qui ton. Mais je te dis, il y avait. Il était Salvateur! Personne n'avait le rôle! Bah, moi, tout le monde a eu le rôle, hein! Là où j'étais, il y a eu 6 personnes qui ont eu le rôle! Il y avait Restum! C'est sympa, t'as la nouvelle méta là, mec! Ouais, bah, j'ai fait 2 pioches en diable! Non, mais il trollait, c'est pas possible! Chobax et Thomas, oui, ils étaient 3. C'était un groupe de 3. Bah, il est plus vu depuis le kill, donc forcément, il est sûrement. C'est lui qui a fait le kill, quoi. J'aime pas ton épée, t'as pas été loup, c'est bon? Non, apparemment, c'est bon. Je vous le dis, tout le groupe était loup. Non, c'est bon. Il y a du grand nom. Ah, bah, personne a dit le rôle, quoi. Pendant 1000 ans, j'étais en train de me. J'étais en train de dire, ouais, machin, personne a eu le rôle et tout. Personne voulait me donner le rôle. Parce que personne l'avait. Bizarre. Je voulais pas donner le rôle. Mes pauvres jambes. Ok. Bon, peut-être un gros groupe de loups-garous. Bien broken. Non, pas Amine. Ça peut pas être Amine. Mais c'est Chobax, c'est Thomas, c'est les deux qui ça peut être en fait. Ouais. Oh non. Parce que. Je pense que Narco a l'air safe. Voilà. Je suis resté longtemps avec lui, il m'a pas tué alors que c'est Narco quoi. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est quasiment ça parce qu'il y avait un groupe de 5 avec Dragiox, Thomas, Chobax, Amine et Dwarf. Ils se sont séparés, il y a Amine et Dwarf qui se sont barrés et puis je les ai vus au moment du kill. Et du coup ça peut être que Thomas et Chobax je pense.
Sauf s'il y a un Jay qui est venu à ce moment-là pendant qu'il s'en séparait. Moi je suis safe, tué, moi je chance. Suis safe. Moi je note. Hop là. Voilà. Moi je suis safe. Mais on sait que t'es safe, mec, on sait. Ah merci, merci. Je te note dans ma liste de safe alors. Ouais. Ah mais mettez-moi dans votre liste de safe. Hein. Vous avez des options sur des gens en pharos, non? Bah tous ceux qui ont pas eu les rôles plus Thomas Chevax. Voilà, mes soupçons. Moi j'ai pas eu le rôle là, hein. Moi je vois prêtresse. Hein. C'est Salvateur. Tu vois prêtresse? Ouais, ouais. Ouais, il y a écrit et... prêtresse dans mon chat. Ah oui, stylé. Moi c'est écrit Salvateur. Bah chacun son truc finalement. Toi tu vois quoi, Gap, toi? Infect peur des loups. Ok, j'ai menti, je vois Sœur. Attends, je suis Rain. Ok, j'ai menti aussi, je vois Salvateur. Ok. Bah, on bute d'Ali, les loups. C'est bon. Non, mais en gros, ma strat à la con, c'était genre pour faire. En fait, c'était de faire genre qu'on avait eu un rôle, mais qu'on disait la bonne première lettre. C'est pour ça que je suis arrivé, je fais oh, c'est Salvateur, hein Salvateur. Et t'as Barisso. Alors, là, par Et t'es avec qui, Risto? Je sais pas, il était avec tout le groupe là-bas, je crois. Hein. En tout cas, moi, je peux me permettre Marwan et Julien, je vais te dire. Pourquoi ça parle plus, là? Je les trouve très bizarre, hein, la façon dont ils m'ont regardé quand je suis à l'opposé. En mode, ils vont, enfin, je vais découvrir le kill. Mais après, il me semble pas que Christo était avec eux. Donc, je sais pas. Puis, y a pas de trace du kill. Sous les arbres, donc ça doit être peut-être à la surface. Enfin. Under roofed. Non. Bizarre. Ok, bah peut-être que... Peut-être que finalement c'était juste un comportement étrange. Mais je sais plus avec qui il était Risto, il me semble qu'il était avec... Il était avec Nems... Et Isaac Scott. Ok. Je me souviens. Donc on va voir, hein, ça peut être... Nems et Xcot. Y'a plus personne, what the fuck. Un coup on est 18, un coup y'a plus personne. C'est la folie des loups-garous UHC. Salut. Le grand, tu t'es passé que Risto? Non. Que ça t'accuse derrière. Ça t'accuse fort, hein. C'est pas possible que je sois accusé vu que j'ai croisé des gens au moment du kill, quoi, donc Enfin, j'étais même avec des gens au moment du kill, donc Il est là, le message de mort, il y avait déjà plus les gaps. Donc le mec était encore invisible, je pense, hein. C'était... De quoi t'es... Vous avez trouvé le kill? Mais tu te sens pas visible quand tu... Oui, il est mort à 20 blocs de nous. Ah, ok. On l'a vu. Ah, donc c'est perfide. Et juste le temps d'aller sur le stuff, il y avait déjà plus les gaps. Donc c'est sûrement le perfide, mais ou sinon j'ai tout le stuff, il y avait gap. Ou sinon c'est il y avait quoi? Ouais, les gaps, ok. Mais sinon c'est peut-être même c'est Cots et Xcots, hein, ils étaient ensemble. Non, non c'est pas eux, ok. Après s'il y avait le groupe Nem, Samine, etc. en bas. Ouais, mais récapituler, j'en fais ce qui s'est passé un peu. Je t'explique, genre on restait avec Drajax depuis le début. Genre Drajax serait mort pas par eux, ils seraient venus en mode ouais, c'est qui qu'ils ont tué et tout. Enfin, qui l'a tué et tout. Alors que là, ils sont pas revenus. C'est forcément. Omega là-bas. C'est vrai. Mais peut-être, peut-être qu'ils se pensent méchants et enfin, ils se pensent cramés et du coup, ils vont plus venir. Hein. C'est ça, hein, je pense. Hein. Oui, je pensais ça. Hein. Omega, t'étais où, frère? Bah, justement, je viens d'arriver. Il arrive très tard, Omega. Fais gaffe, après, bon. J'arrive tard parce que j'étais loin et parce que en tout cas, Kevin était pas fou. J'ai toujours rien trouvé, quoi. Au final, j'ai réalisé que ma Sharpness 3 était nulle vu que j'avais KB2. Ah. Du coup, je l'ai mis sur une épée en or, pour le principe. Tragique. Mais du coup, Gab a pris toutes les accusations pour absolument rien. Bah, je crois que j'étais avec des gens. Hein.
Puis j'ai croisé le groupe de Nanox, Nartko et je sais plus qui, juste vraiment 5 secondes après lequel. Justement, Nanox qui s'accuse, genre il est en mode. Ouais, pour cette ouais, raison, gap, en mode, mais... il a dit ouais, fait, il est où Risto et, si les gap, et après si les gap il va. Avait, si les gaps étaient encore dans le stuff, ou alors je. Attends, je vais vérifier, mais ça se trouve, ils sont tombés en dessous de l'arme, mais. Ouais, possible. Ça m'étonnerait. Surtout que je venais absolument pas de l'endroit du kill, donc bon. Le kill non, est juste en dessous de nous là. Ah voilà, ouais, mais... Non, il y avait déjà plus les gaps. Alors c'est, on l'a trouvé littéralement 10 secondes après. Je l'ai même pas là, donc Nanox ouais. Macus, c'est très étrange. Hein. Oui. Mais surtout que c'est impossible. Enfin, genre, si c'était vraiment un cross kill, enfin un kill perfect petite fille, t'aurais ramassé les gaps, tu nous aurais évité, t'aurais remis ton stuff assez loin pour qu'on ne voit pas alors qu'on est en train de regarder tout. Bah bien sûr. Ouais, ça genre... Vous savez comment il est mort, Risto? Sûrement par le perfide. What the fuck, parce que vraiment, genre, je me suis barré et j'ai mangé sa brise. Mouais. Hmm bah, il est mort à côté de nous. Et je sais pas comment. Mais oui, en fait, je me suis barré là-bas et genre. À côté de ce qui s'est vu, il est mort. Mais je pensais que c'était vous qui avez tué. Ça m'étonnerait pas que ce soit tout le groupe, vu que tout le groupe est peut-être méchant. Et on se fout peut-être bien de ma gueule. En plus, il y a Chubax qui arrive avec eux. Chubax qui est le suspect numéro 1 pour le premier kill de la game. Donc, pour moi, c'est pas impossible qu'ils soient absolument tous méchants par ici. Nanox, je sais pas, c'est bizarre quand même de m'accuser alors que ça n'a aucun sens. Enfin, après, là aussi, il faut faire gaffe à Fukano. Est-ce que Nanox a juste dit Gap venait peut-être de là, ou alors est-ce que Nanox m'a vraiment beaucoup accusé et c'est. Est-ce que ce serait pas juste Fukano qui exagère pour faire les discords? Ça aussi, il faut se méfier. Est-ce que c'est pas Fukano qui exagère? Ça, il faut faire gaffe, et c'est ce que je vais essayer de vérifier. Parce que moi, ça m'étonnerait pas que tout le groupe là soit loin. Après, il reste... C'était quoi, il y avait le groupe... C'était quoi le gros groupe? C'était Gil, Nanox... Je crois qu'il y avait Nartko, mais je suis pas sûr. Mais bon, faudrait que je retrouve. Parce que eux, ils sont potentiellement plus safe. Ils ont l'air d'avoir eu les rôles globalement. Enfin, pas Nanox, du coup, mais... Il y avait Dalil aussi. Bah on est là. Non, t'as les infos, Gap? Je pense qu'il y a je connais un groupe de méchants qui est assez étrange. Thomas. Non, il y a aussi Fukano et tout. Ah ouais? Parce qu'apparemment le kill était juste à côté d'eux. Mais non. Oui, je sais, mais je me dis qu'il manque peut-être parce que je pense qu'ils sont tous low. Déjà, apparemment, il n'y a personne d'eux qui ont eu le rôle au début. Et en plus, ils sont allés avec Chubax maintenant, donc je trouve ça bizarre, tu vois. Ça fait deux trucs bizarres. T'as confiance en des gens, parce que là, les trois branquignoles avec moi, ils ont aucune confiance en eux et entre nous, et bref, c'est chaud. Bah, je suis dans le même cas, j'ai confiance en personne. Eh bah, on va passer une bonne game, les gars. Ça va faire. Ça m'étonne que la sœur, elle est pas démarrée avec Jack qui l'a tué. Peut-être que c'est la sœur, je sais pas quoi là, infectée. Misanthrope. Je sais même pas ce que je pense, c'est Chubax. Et c'est piquant ça. C'est nouveau ça fait deux games. Mais non mais attends, Misanthrope c'est une chance sur 1000 les mecs, une chance sur 1000. Non, sur 1000 ils ont dit. Bon. Je suis quelqu'un qui nous accuse là, à l'instant. Qui nous accusait là? Je veux dire qu'on était bizarre. Hein. Peux-tu rester si tu veux? T'es accusé? Peux-tu rester si tu veux? Ah oui. Salut. Comment tu sais? Parce que, je sais. Et Nanox aussi sûrement. Est-ce que c'est vrai que Nanox m'accuse de fou? Oui, et je pense que... Ouais, okay. En fait, écoute-moi bien. Je pense qu'ils sont loués avec Restump. Voilà. C'est pas impossible. Restump, pour moi, c'est presque sûr. Et en fait, il dit que c'est toi, en gros, qui a fait le kill. Parce que c'est legit. J'étais pas avec vous quand il y avait le kill ou quoi? Il me semble. Ou alors, je sais plus où j'étais, mais. Ok, vas-y, go tuer. Enfin, je venais de partir de vous, je crois, au moment où il y a le kill. Néanmoins, je trouve ça bizarre que Nanox accuse autant le groupe de Restump, etc., pour après finalement rester avec eux comme si tout allait bien. Oui. MG, go tuer. Surtout qu'à côté de ce groupe-là, il y a Chubax et tout qui sont revenus. Enfin, Chubax tout seul est revenu. Avec ouais. Skitty. Mais bon, pas ouais. Problème. Et ça a aucun sens que Nanox m'accuse dans tous les cas, vu que je l'ai croisé genre 5 secondes après le kill. Je sais pas si tu peux avoir confiance en toi, Gap, mais. Bah, t'as aucune raison de me faire confiance, ouais, tout comme ça, je n'ai aucune raison de te faire confiance en toi. Bien sûr, mais moi je te donne un loup quoi. Tu veux le tuer à 80 minutes, Restump? Oui. Oh. Bah, moi je suis chaud. J'ai envie de me battre. Le plus tôt possible, parce que je pense que ça va être un problème si vraiment c'est le groupe que Nanox disait au début, avec Marwan et tout ça. Faut en profiter, mais je crois qu'ils sont encore tous ensemble, donc ça va être compliqué. Oui, c'est sûr, mais bon. Enfin, le problème surtout, c'est qu'il va y avoir des trahisons, quoi. Possible.
Mais s'il y a un groupe assez faible et qu'il y a aucun loup parmi nous trois, ça peut se faire, mais. Enfin, c'est peu, je veux dire. Vous voulez faire un kill sur un loup-garou ? Je sais pas. Bah, non, mais reste avec nous, on va aller faire un kill sur un loup-garou et vaut mieux qu'on soit plus en fait, disons. Ok. OMG. Écoutez, les gars, écoutez, on va faire un truc, c'est qu'au pire, si vous avez pas confiance en moi, et que bah, si jamais je me trompe ou quoi, et que ça enlève des rôles importants, bah vous me tuerez, et puis voilà, au pire. Hein. Ok, bon, y'a pas de soucis. Mais mec, ce sera fait dès la seconde où il est fait, hein. Ah mais à dès la seconde où la personne, je te crois hein, mais s'il est pas louche, je t'en mets une. Hein. Ouais bien sûr, bon on verra. Qui? Mais toi. Mais oui, mais ça fait un moment que je suis là mec hein. À Skip, faut cogner Restump. Mais putain, mais ferme-la, pourquoi tu dis ça? Mais pourquoi tu dis ça? Mais t'es complètement con, mais t'es loup avec lui. Mais forcément, il a voulu prévenir tout le monde. Dalil, venez. Mais t'es complètement con. Je sais pas moi. Mais pourquoi tu dis au milieu de tout le monde alors qu'il y a des loups? Mais t'es forcément loup, si t'es pas loup, je me coupe une couille, c'est pas possible. Attendez, venez. Peut-être qu'il est juste con, mais pas loup. Au milieu de tout le monde, alors que je dis qu'il y a peut-être d'autres loups et je dis les pseudos et tu dis à ce même mec. Je sais pas moi. Mais c'est logique, Dalil. Non, tu te fous de ma gueule. Ta réaction est illégitime. T'es loup, frère, t'es loup, 100%. Attendez. Moi, je pense que le perfide. Mais c'est toi, t'es con, frère. J'ai très envie de le tenter. Pour moi, le perfide, c'est Chewbacca. Ah bon, c'est pas moi pourtant, alors que tu m'as accusé pendant 10 ans? Non. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Il s'est passé un truc entre temps qui fait que j'ai entendu un micro à un moment en invisible. Je me dis, c'est pas possible, enfin, la PFL est morte et tout machin. Je me dis, dans ma tête, c'est le micro de Chewbacca. Du coup, après, je demande à Fuka. J'ai dit, Fuka, Chewbacca, il est parti où? Il dit, il est parti en arrière, machin, cherche un groupe de 3. Pendant 5 minutes, je cherche Chewbacca, je le trouve pas, machin, etc. Je pense, honnêtement, que le jeu de Ferrafil, il se joue entre toi, Gabe et Chewbacca. Mais il est revenu juste après Chewbacca, hein. Pardon. Il est revenu avec Damien. Ok, j'ai rien dit, en fait, je suis con. Non, j'ai rien dit. Je sais pas, pour moi. Moi, bah, je pense quand même qu'il est méchant, mais. Pour moi, y'a moyen. Y'a très fortement moyen. Ok, bon, en tout cas, c'est qu'il marrant a parce que pas mal de gens, enfin pas mal de kills sur pas mal de personnes, genre notamment sur le. Bah, sur le premier kill, la sœur, hein, on sait toujours pas qui c'est. Alors, je vous ai peut-être dit une connerie tout à l'heure, d'accord? Je vous ai peut-être dit une connerie tout à l'heure, par contre, ça m'a permis de savoir quelque chose d'autre sur une autre personne. Attends, par rapport au mec que Dalil l'a gueulé? Ouais. Il est gentil ou pas? Bah, il était juste là, bah, il très certainement, oui. Mais du coup, oui, je me suis trompé. Ah merde! Par contre, ça m'a permis de savoir que Dalil est très certainement nous. Ça, par contre, ça, ouais. Quel dommage. Parce que t'as agi vraiment d'une manière, mais franchement, il y a aucune raison pour. Bah, je sais pas, parce que si le mec était safe et que Dalil était loup, il l'aurait pas dit, tu vois. Pourquoi? Bah, parce que ça ne sert à rien. Si Dalil est loup et qu'il l'a pas dans la liste, pourquoi il dirait pas à Skip, faut qu'on y reste un peu. Ah, mais il le dirait pas à tout le monde parce que c'est suspect, tu vois. Il aurait juste aidé pour le tuer et c'est toi qui aurais eu toutes les suspicions. Bah, moi, ce que je trouve bizarre, c'est surtout pourquoi tu le dis au milieu de tout le monde alors que juste avant, je te dis. Alors que juste avant, Dalil. Non, mais juste avant. Oui, d'accord, mais juste avant, je dis à Dalil, Nanox est peut-être loup avec Restump. Et Dalil dit quoi au moment où on voit Nanox? Ah, faut qu'on ait Restump parce qu'il est loup. Mais écoute ce que je dis alors, frère. Je vais te raconter une histoire. Au début de la game, le tout premier mort, j'étais avec un groupe de 5. Personne n'avait eu le rôle. Voilà. Mais c'est ce que t'as dit, ouais. Moi, j'ai pas eu le rôle. Restump, j'ai entendu. Sherry m'a pas eu le rôle. Marwan n'a pas eu le rôle. Et je crois qu'il y avait un dernier, genre Skitty, un truc comme ça. Mais sinon, ma réaction est légitime. Sinon, je me suis barré de ce groupe. Bah, Restump est le joueur le plus dangereux de la game. Je pensais que c'était peut-être la prêtresse et que personne voulait le dire. Et quand je suis revenu au centre, il y a Risto, le premier mec qui me dit qu'il est sœur. Je me dis, ok, c'est impossible qu'il y ait genre que des villageois dans ce groupe-là. Ouais. C'est trop improbable, quoi. Du coup, je me suis barré de ce groupe. Et je sais pas, en fait, moi je pense que déjà, Sherim, pour moi, il est loup. Parce que sa réaction par rapport au rôle était trop bizarre. Il a rien voulu dire, rien, machin, etc. Mm. Pour moi, Sherim, il est probablement loup. Je pense aussi qu'il doit y avoir une connerie, genre peut-être Marwan qui est loup aussi. En fait, c'est improbable qu'il y ait trop peu de villageois qui n'aient pas le rôle. Déjà, si tu confirmes que Restump est villageois ou ah, ça, je sais pas. Bah, moi je pense pas que Restump soit loup du coup. Mais pourquoi t'as dit ça? En fait, ouais, pourquoi t'as dit ça? C'est par rapport à ce que Dalil a dit? Je comprends rien. Non, c'est par rapport à autre chose. Mais voilà, en fait, mais du coup, je vois pas en quoi ça rend. Enfin, ouais, je sais pas. Parce qu'en fait, je suis un peu c'est bizarre con, l'ambiance. Je suis un petit peu con en fait, c'est ça le problème. Okay. Je suis un petit peu con. Attends, t'as trop l'air d'être un oracle, genre. Et en fait, je sais pas oracle, mais un roller info, ouais. C'est que je suis débile en fait, voilà, c'est ça le problème. C'est que je suis débile. Et du coup. Ah, tu crois. Et le pire, c'est que je me suis déjà fait avoir de la même façon en plus. C'est ça le pire. T'as mais vu, monsieur Loulou-Garou, bon, ceci dit, t'as l'air tellement de chercher que je pense que t'es safe, donc je vais peut-être rester ici. Ah bon, je suis d'accord. Ouais. Mais Nanox, j'ai pas confiance en toi du tout. Moi, j'ai pas confiance en Gap. Ouais, je pense que. Ouais, pour absolument zéro raison, c'est pas vu de la game. C'est bizarre, il dit que t'es méchant, puis après, il dit que t'es gentil. Arrête, ferme-la, arrête de m'accuser.
C'est toi qui joues de manière la plus bizarre, frère. C'est toi qui gueule au milieu de tout le monde. Les infos que je te donne. C'est le joueur le plus dangereux. C'est le joueur le plus dangereux. Et alors, joueur plus dangereux ou pas, justement, s'il y a d'autres loups-garous, ils vont les protéger. Moi, j'ai envie de tenter. Moi, je vous dis, j'ai envie de tenter Chobax. Pour moi, il est parfait. En vrai, par contre, j'ai compris la technique de tous les joueurs de game. À chaque game, quel que soit mon rôle, ils disent que je suis bizarre. Comme ça, quand je suis vraiment loup, ils sont en mode je le savais. Là, on commence à le remarquer. Parce que là, je suis safe. Je me fais accuser pareil que quand je suis méchant. Mais ça confirme un petit peu mes soupçons, quoi. Après voilà, hein, c'est pas du info à 100%, mais disons qu'il est très accusé quoi. Mmh, ouais, moi je pense que c'est la cible numéro 1. Après je trouve ça étrange qu'ils sont revenus. Ouais, c'est sûr, je pense qu'il a fait le kill avec Thomas. Ouais, mais c'est sûr, même en fait, parce qu'attends. Mais au-delà de ça, je pense surtout que c'est le perfide, hein. Mais moi je pense surtout que c'est le perfide. Du coup, il aurait fait les deux kills, hein, du coup. Ouais, probablement, ouais. En vrai, c'est probable parce que c'est le seul personnage vraiment qu'on a pas du tout vu. Bah, au tout début, mais. Non mais y'a trop de circonstances qui l'accusent moi. Non mais de toute façon il est pas là. Probablement. Mais c'est la seule personne qui est accusée sur les deux kills exact, en fait. C'est la seule personne qui est accusée sur les deux kills, donc mathématiquement ça devrait être lui quoi. Suspect d'autres, des gens qui t'auraient plutôt tendance à faire confiance. Dalil je trouve suspect, et toi j'ai tendance à te faire confiance à toi. Bizarre l'ambiance. Pour l'instant, après peut-être que je me trompe, mais j'ai tendance à faire confiance. Ok. Je sais pas si la sœur qui reste en vie elle est pas sœur LG. Ouais, oui, c'est ce qu'on pense aussi. Elle dit rien pour couvrir son potager quoi. J'ai deux théories, soit ça, soit le voleur. Oula, y'a beaucoup. Mais y'a peu de probabilité pour le voleur. Voleur, ouais, c'est vrai. Ouais, effectivement. Pourquoi je vais dans ce groupe là? Au revoir. J'ai pas envie de rester avec eux, moi. Il y a un bail comme ça. Hein. Ouais. Et peut-être que dans ce cas, Thomas serait la deuxième sœur, misanthrope, et ils auraient tenté de l'infecter parce que c'est OP. Misanthrope? Bah, c'est la sœur. What? C'est quoi ce délire là? C'est nouveau. Il y a un event aléatoire où il y a une des deux sœurs qui peut être LG. C'est fumé? Oui et non, en vrai. Du coup là par exemple on peut très bien savoir que la sœur est très certainement déjà infectée quoi. Mais du coup s'il y a ça veut dire qu'elle ressemble pas d'infecteur des loups. Bon les gars, le mec dont je vous parle tout à l'heure, dès qu'on le voit on le tente hein. Mais bien sûr qu'on le tente pas. Mais est-ce qu'on le verra? Attendez, on le verra plus parce qu'il nous écoute. Personne n'a vu Marouane revenir là probablement pas. Revenir avec de l'absorption. Marouane il revient de sous les arbres avec de l'absorption. Ouais mais il a pas eu l'esquive. Il a dû tomber. Justement il a dû tomber quoi. Par contre moi je pense quand même que Marouane est lui. Ouais sûrement. Bon, en tout cas il est parmi les plus suspectés. En fait de toute façon c'est simple hein. Les personnes avec qui j'étais dans le premier groupe qui ont personne a eu le rôle, genre Sherim, Marwan, Skitty, pour moi. En plus, ils restent tous ensemble plutôt. Restump est probablement safe, bon bah dans ce cas-là, pas Restump, hein, mais. Bah probablement, bah c'est. Ouais, moi déjà, dès le début, s'il a pas eu le rôle, il est safe. En fait, je vais t'expliquer, moi au début, quand je me suis barré du groupe, j'ai regardé un petit peu qui restait dans le groupe, sachant qu'ils étaient sûrs à 100% de pas avoir le rôle entre eux. Et je sais pas, moi déjà, j'étais en train d'argumenter avec Restump en mode pourquoi tu restes avec Marwan, alors que tu disais toi-même qu'il y a trop peu de chances qu'il y ait beaucoup de villageois dans le groupe. Tu vois, moi je trouvais ça bizarre. Bon, je pense que j'ai compris ton rôle, Gale. Pas forcément. Je pense que en tout cas, ce que je peux je dire. Je pense qu'il est détective. Vraiment. Là. Si Restump a pas eu le rôle, je pense qu'il est safe, hein. Pour moi. Mm-hmm. Uniquement s'il a pas eu le rôle. Ouais, je pense. Non, mais je pense que j'ai compris son raisonnement. S'il a eu le rôle, il y a. Sûrement solo. Il y a des chances qu'il soit méchant, encore. Sur mon solo. Moi j'ai eu tous les rôles, donc je suis tout safe. Je suis bien safe, bien. Bah, vous avez eu le deuxième rôle? Oui. Oui. Ouais, prêtre reste le deuxième rôle. La logique. Prêtre reste le deuxième rôle. Mais du coup, peut-être qu'il a un rôle. Je suis sûr de capter la logique. Finalement, il est safe. Non, mais je pense que Gap a compris. Comment il fallait faire? Bah, ce que je t'ai dit après, ça doit te faire comprendre que j'ai compris. Ah oui, bah c'est. Non, j'ai compris. J'ai rien, j'ai pas réagi, mais pas très loin de la vérité, je pense. Pour l'instant, en tout cas. On verra bien. Et il pourrait y avoir plusieurs rôles qui font ça. Oui. Et je veux pas que tu te méprennes. Plusieurs sans S. Salut Damien, jeune 6. T'es seul? Salut, Gep. Bien sûr. T'es tout le temps tout seul, c'est triste. Oui, ça va. Ah ouais, toi. Après, je comprends, vu que ton pote loup-garou est cramé, t'as pas envie de rester avec lui. Exactement. Bonjour. Du coup, comme ça, je me faufile. Tu te faufiles. Tu vas taper à l'épée? Ouais. En vrai, Dame. Je vais retourner pour me regarder. Je peux vous le dire. Tout à l'heure, quand Chubax est revenu après le kill de l'APF, il est revenu avec Damien, donc je sais pas. Quand Chubax est revenu.
Encore la nuit là. Hein. Donc là ils vont pas attaquer les loups. Hein. Pendant vu que c'est la fin de la nuit, ils vont pas jouer là. Hein. Pas pendant un petit moment. Après la liste est pas ouf. Hein. Je l'ai la liste. Tu l'as eu il y a pas longtemps ton rôle ou pas, Gil? De quoi? Ton rôle tu l'as eu il y a longtemps ou pas? Hein? Ça, je l'ai eu il y a longtemps. Ça, genre, mais t'en veux une ou quoi? Ça fait longtemps que t'as pas eu ce rôle. Ah. Aïe! Oh, ça c'est relou ça. Salvateur, ça fait chier. Franchement, mec, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je me suis déjà fait avoir de la même manière que je me suis fait avoir. C'est vraiment con. Est-ce qu'il était avec Nordco et tout lui? Je sais pas, mec. Je l'ai pas vu depuis longtemps. Je sais même pas si j'ai vu de la game. Avec Marwan, je crois. Ouais. Un stomp là. Si vous voulez, c'est pas avec. Attendez, c'est pas avec lui qu'il est parti quand justement t'as dit qu'il avait pris de la pseudo. C'est Marwan, non? C'est Marwan et Nordco, non? C'est Marwan et Nordco. Alors, nous on a des infos. Thomas est ouais, sûr Thomas, à 100% oui. Avec Chobax. Ok. Ouais, bah voilà, oui, bon, voilà, ils sont tous les deux. Gaffe à Omega, perfide. Et oui, Omega, c'est un perfide de plus. Je pense que c'est Chobax. Omega Shirim pourrait l'acheter un peu. Je passe là, je repose un bloc. Parce que Omega Shirim était ensemble, vu que tu disais que Shirim était sûrement loup, Omega devrait l'être aussi. Omega? Omega loup? Ok. Il était quoi du coup? Et c'est quoi son rôle exact d'ailleurs? Loup. Oh, j'ai tous les rôles alors que je suis méchant, c'est une dinguerie. Bah, il y avait un fighty et. Il y a Reston qui est mort par Omega, il a respawn. Donc maintenant tu sais à peu près son rôle, je pense, Guillaume. Et il y a Valier ouais. Qui est en train de poursuivre Nordco. Ouais, voilà, donc c'est Nordco Marwan. Mais je sais pas de quel côté. Oh, j'espère Nordco, qu'ils ont pas infecté Reston. Après, c'est Illu qui est mort, attends. C'est quoi le timing des morts, Fuka? Oh non, j'espère qu'il est ancien j'espère qu'il est ancien et qu'il s'est pas fait infecter, sinon je vais tout casser. Infecte par Nordco. Oh. Oh non, Shirim, s'il te plaît, Shirim, dis-moi pas que t'as fait ça. Eh, je l'avais dit, la putain, qu'il était loup, frère, ça y est. Par contre, vraiment, je l'ai dit. Franchement, j'en ai aucune idée de si Reston a été infecté ou pas, par contre. Hein. Franchement, et si c'est le cas, ça fait chier, mais je l'ai dit qu'il était loup. Est-ce que vous pensez pas que Omega il est pas mort par le Grimmer? Ah ouais, il peut être infecté. Mais attends, mais il avait une idée du rôle exact de. Non. De Julien, Guillaume? Non. Non. Juste qu'il était villageois, soi-disant. C'est vrai, ouais. Mais c'est Shirim, hein, l'infect perdu. Hein. Vous pensez pas qu'Omega il est mort? Enfin, il s'est pas fait tuer par le Grimmer? Moi je pense pas qu'Omega il soit mort, Cap. Si, moi que t'es pas infecté, reste. Mais si, Omega. Non, mais je reparle au Grimmer. Cap a dit, vous pensez pas qu'Omega il est mort? C'est moi qui l'ai tué, hein. T'as dit quoi? C'est toi qui l'as tué? Bon. Omega, ouais, je l'ai one tap après que Julien soit mort face à Omega, donc. Donc, ok, il doit être ancien, du coup, peut-être. Il est soit ancien, soit infecté. Bah, il peut être ancien, c'est chiant. S'il est infecté, on peut être F4. Hein. Je pense pas qu'il soit ancien, il serait pas mort face à Omega. Je pense qu'il va lui sauter dessus, quoi. Ouais. On va voir le groupe de Nems et communiquer cette information. Comme ça, moi, s'il y a un ancien, ils iront le fumer. Attends les gens, j'ai cliqué sur le deuxième bouton. J'ai cliqué sur le deuxième bouton, n'est-ce pas? Je le suis en lui faisant conférence, hein. Je pense, hein. Il aura même pas besoin de dire un mot pour qu'on le suive, hein. Je pense, hein. Et... Donc, si j'ai cliqué sur le deuxième bouton, ça veut dire que. Ancien. Que Restump est mort après Omega, donc c'est pas possible ce qu'il a dit. Non. Il faut tuer quelqu'un. Ah bon? C'est bien ce que je me disais, t'avais des infos, frère. Allons-y. Dépité. Ah, vous mangez une pomme en me regardant? Non, c'est pas toi, t'inquiète, je suis sûr que c'est pas toi. Oui, c'est pas moi. Je t'ai déjà juré ça et je t'ai tué, c'était très marrant d'ailleurs. Mais bon, non, là c'est pas toi. Et si vous me tuez, vous êtes pas très intelligent. Ah, bah après, mais bref. C'est vraiment pas toi. Ok, c'est bon. Attends, mais du coup, tu viens. C'était quelqu'un qui était là-bas? Je crois qu'on l'a vu. C'est pas genre Fuka et. Les trucs? Il était avec qui, Fuka? Est-ce qu'il dit? Oui. Ok. What the fuck? Me demande si Gap est pas détective. Mais il était trop loin du cadavre. Non, pas chasseur. C'est chasseur, ça, tu confonds. Ah, détective. Putain. En fait, c'est pour ça qu'il est trop. Il demande beaucoup si Omega est pas mort par le Grimmer pour le moment parce qu'il est détective. Il doit avoir un bon rôle, ouais. Tu vois? Ah, oh, c'est détective, c'est trop bien par contre parce qu'on a vraiment. Ouais, y a des chances en tout cas. Y a des chances, mais. On a vraiment un bon truc du coup. Oh, Gap. Mm-hmm. Si t'es détective, fais Restop Nordco au prochain. Ça change rien, hein. Ouais, ça change. Oh! Ange gardien. What? Et le garou perfil. Comment ils sont. C'est bizarre qu'ils sont morts en même seconde. Ils sont cross-kill. Non? Peut-être. Mais... Oh, je pense qu'on va détective. Voir le stuff alors. Ouais. Il y a des chances en vrai. Mais tout le monde meurt, comment ça se passe? Bah, je sais pas, mec. Mais guidez-moi parce que. Non, non, tu me. Vous avez tué Dadou? Ah bah, je pense que Fukan est mort. C'est pas nous, hein. On pensait que c'était vous.
Ils sont cross kill. Bah, ouais, je voulais tuer Fukano. On avait rien. Ouais, il est. Bon. What the... Non mais Ghost of, ouais. Ghost of, ils sont peut-être cross kill. Ils sont peut-être cross kill. C'est Fukano que je voulais tuer, je vous le dis. Ah ouais. C'était Skitty le perfide. Y'a un feu follet. Ouais. Eh, je pense pas que Skitty aurait fait le kill, voilà, je vous le dis. Bah, par sinon, contre. Surtout parce que quelqu'un a vu Skitty, c'est surtout ça en fait. Bah, peut-être que Skitty aurait fait le kill, hein. Tu sous-côtes. C'est pas qu'elle l'aurait après, fait. Après, bah, tu tapes quoi. Tout, hein. Ouais, mais je pense que ce serait barré, hein. Je sais pas en vrai. En vrai, je sais pas. C'est deux clics, suffit de prendre par derrière. Peut-être que. Après, tu vois que c'est toujours pas mort, hein. Je pense que tu vois que c'était protégé par Damien. Ah, ouais, mais loup ou pas. Oui, je pense que tu vois que c'est loup, mais il était protégé par Damien. Bah. Pas de stuff. Il a pas l'air d'être très protégé quoi. Vu qu'il se cache en fait. Bah plus maintenant vu qu'il est mort Damien mais. Il est mute. Il est là quoi. Oula, je vais peut-être mourir. Ok, c'est bon. Ouais mais je veux dire Damien est mort, oh, donc du coup il y a plus d'histoire de protéger, c'est fini. Ah les gars. Ça va mon ref. Faut m'attaquer. What? Je sais pas mon gars. Bizarrement tu te caches derrière. Bah bizarrement, j'ai entendu que du coup vous voulez mieux quoi, donc bon. Bah en fait t'es sur. Et bizarrement tu t'es couru direct, bon bref. Loup feu follet. Oui. Ah soit. Bien joué Nanox, c'était glorieux. Oh. C'est qui est glorieux, gros. Très glorieux, là. Putain, la gloire est à toi. Putain, tu me gênes, Nanox. Ok, c'est le bateau. À l'abordage. Oh non. Hey, il résiste bien, hein, quand même. Peut-être craintif, hein. Ah non, pas craintif, non. Aïe. Mec, du blanc, hein. Bonne game. GG à vous. Eh, hey, gros, tu tiens. GG. J'ai cru qu'il y a une trahison, ouais, à la fin. Probablement infecté vu qu'il est pas revenu au centre. Il est peut-être revenu, on l'a pas vu, hein. Il reste des rôles solo encore, hein. Mais alors, je non, je pense que Chubax était solo. Chubax, LGB. Ouais, craintif. Ah, craintif, c'est pour ça qu'il résistait bien. What the fuck. Vous avez un bouquin P1 ? Non. Non, mec. Ouais, craintif, c'est sûr. Ça fait du sens, hein. Ouais, ouais, probablement pas Hermite, quoi. Du coup, il reste qui ? Thomas ? Bah, il reste Thomas qui est sûrement sur. Nagato, Marwan, ou l'un des deux ? Ou je sais pas si c'est les deux ou seulement l'un des deux. Oh, Marwan, c'est sûr, hein, je pense, hein, il est pas oui, au centre, non, hein. Mais Marwan, c'est sûr. Et Nartko, c'est bizarre. Et Nartko aussi, ouais. En vrai, du coup, à moins qu'il y ait un rôle solo ici, on doit être sûrement tous safe. Ouais, ça, Dalil, bon, on va dire que c'était juste une erreur d'innocence. J'ai un point d'interrogation sur Dalil, mais sinon, je pense que ouais. Ouais, t'inquiète, je suis méchant. Ouais, fumé à l'instant là. Chovax, oui, il était craintif. Ouais, okay. Et question, qui a fait tous les kills? Ça, je sais pas. C'est pas Nartko, on n'en sait pas rien. C'est pas vous. C'est doit être Nartko et Restump. Ah non, attends, mais c'est l'info de Fuka, c'est l'info de Fuka, donc en vrai, c'est peut-être pas vrai. Mais oui, c'est faux. De quoi? Bah oui, sur Nartko. Ah. Ouais, Nartko. Ouais. Bon, attends, vas-y, dis-nous ce que t'en penses, parce que t'as l'air. Non, je pense que Nartko est. Je pense que ça doit être Nartko et RSM qui sont safe, et je pense que Fuka n'a pas menti sur ça. C'est juste mais qu'il a. RSM, il est mort. Mais RSM, tu penses vraiment qu'il est ancien? Ça, j'en sais rien, mais c'est... Vrai, si s'il est ancien, bah les deux sont safe. Vraie et... question. Non, mais vraie question. Est-ce que. Bon, Fuka je pense que. Fuka aurait dit s'il était infecté que RSM était mort? Non. Y'a peu de chance quoi. Mais j'avoue. Donc c'est pour ça qu'il est sûrement sur mon safe du coup. Thomas LG, ça, vous savez. Normal. Et pour moi, de toute façon, si c'est pas nous qui font le kill, c'est pas eux. Tu veux que ce soit qui? Après, je pense qu'il y a une dernière version auquel on n'a pas pensé, c'est que Fuka n'était pas LG. Et il était LG Grim et il s'est fait tuer par le Grimmer. Non. Parce que pourquoi il aurait one tap Omega? Non, tu penses que c'est pas possible ça? Je pense que Fuka était LG. Bah, je pense qu'il a menti sur Omega, hein, pour pas qu'on s'imagine des trucs. Je pense que Fuka était LG. Comment il est mort Omega alors? Je sais pas. Bah, pour moi, il y a un groupe avec Nartko et Restum qui font les kills. Ouais, Fukano et LG. Ils font toute la gamme. Après, peut-être, je pense qu'il y a un couple aussi. Il était quoi d'ailleurs, Thomas? LG. Bougaro simple. D'ailleurs, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a que des LG simples, sauf. Ah non, nevermind, il y a eu le perfide et le. Et l'infect. Bah, j'ai. Il y a 1, 2. 3. 3 rôles que j'ai pas eu quand même seulement. Ça va. Bah, c'est 80% de chance quand même. Bon, en soi, je pense que je suis à peu près dans les stats, hein, plus ou moins. Ouais, ça va, attends, 1, 2, 3, 4, 5. Il est pas non plus off stat. Logiquement, il y a 5 loups qui sont morts. Hein. Il est pas off stat, il est pas off stat. Aïe. Donc. La game, c'est pas ça, Vienne. C'est toi la prêtresse kill. Pourquoi? Je sais pas. Mais on est même pas sûr qu'il y a une prêtresse, ça se trouve. Ah, oui. Non, il est pas prêtresse, Guy. Oui, je pense pas qu'il soit prêtresse. Hein. Ah, peut-être pas, ouais. Il serait prêt le village à pivot, les gars. Bah ouais, c'est ça, hein, y'a peut-être le truc qui est activé. Hein.
Villageois pivot. Le mec il le sait pas, hein, parce que la dernière fois j'étais vraiment. Non, j'étais monteur d'ours, c'était moi le pivot. Mais ça, deux fois de suite c'était monteur d'ours, hein. Je pense que c'est tout le temps un brûlé info. Ouais, vu qu'il y a pas de montreur là. C'est quoi villageois pivot? Moi je pense que c'est un villageois. Ouais. C'est celui qui fait le rôle de la prêtresse quand il meurt, ça inverse les. Ah ouais, ça va être marrant si c'est moi, je pense. Tu penses que tu penses que je suis quoi, Gap, du coup là? Détective. Détective, moi? Ouais. Ah ouais, je vous dis, je crois pas que ça puisse être moi. Ou alors, non, ça serait moi, je suis rôle solo, moi, mon gars. Dalil peut être rôle solo ou Nanox aussi, en fait. Nanox peut même être LG infiltré, mais. Et vous parlez de quoi pour. Ouais. Non, je pense que Dalil n'est pas. À mon avis, peut-être trahi en tant que. Je suis bien voir en face. Contre Chewbacca, je pense pas. Eux, c'est qui? Ah ouais. Ils sont peut-être safe. Attends. Restump, donne tes infos. Des versions des faits, les gars. Vous avez tué qui, vous? On a tué Chewbacca, ce qui était craintif. D'accord, bon, on est tué les 5 autres. Et on voulait tuer. Ah voilà, c'était, je me doutais que c'était votre groupe. Et Narco, il est méchant du coup? Il reste un coup. Oui, moi, je suis revenu, ouais. Ok, donc Fukano a donné l'inverse. Moi, j'ai attaqué Omega sous les arbres, Narco, je me suis fait trahir par Fuka. Et après, ouais, et t'es ancien. Peut-être. Ouais, voilà. Gil, j'ai une question. Est-ce que je peux utiliser les potions de l'infect? Non. Gardez l'eau. Non, non, les items. Vous avez confiance en toi? Moi, je suis bien rôle solo, donc c'est pas. Je pense que j'ai le rôle de Gap. Moi, je pense que Gap et Nanox sont chambancés, parce qu'en vrai, on a tué tous les trois, et je pense qu'en vrai, il y aurait. Et moi, ouais. Je pense que tu penses que t'as mon rôle, Nanox? Je suis pas sûr, pas sûr. J'ai mal au crâne. Dalil, je suis pas sûr à 200%, mais je pense pas que Dalil soit aussi. Il est méchant, attaqué avec Guillaume et tout. Et il se dit Charlou, qui nous a en fait. Il nous a effectivement aidé à. Bien vu, mec. Attends, qui est ça qui vous dit Charlou? Alors ça. Salut, salut. Bah ouais. Ah, ça, c'est le vieux coup du couple. C'est possible. C'est pour ça que je vous le dis en fait. Putain, j'ai oh, oh le coup du couple, bon, bien vénère. On se casse du coup? Allez, allez, on garde notre groupe, je pense. Et c'est quoi l'histoire du couple du coup? J'ai pas compris là. Bah, apparemment, il y aurait un chien loup dans leur groupe qui les a aidés. Et ça, c'est le chien loup, c'est tout le temps la. Oh putain, c'est la zone d'ombre qui peut. Enfin, qui est broken pour s'infiltrer. Quand t'es en couple. Après, y'a pas moyen de le savoir, je pense. Bah, je sais pas. Il ment. Si jamais c'est vraiment. Jamais, merde, pardon. Si jamais merci, c'est merci. Vraiment le rôle auquel je pense, Gap, il y a un moyen de le baiser. Mais... Bah, moi je pense que c'est Gil qui doit le baiser. Mmh, moi je suis rôle solo, non, je peux rien faire du tout, mon gars, moi. Tu peux plus le faire, dommage. Ah, Non, c'est pas, Pour l'instant, là, je peux pas faire grand chose, là. Ok. Peut-être après, mais là pour l'instant, pas trop. Hein. Puis le baiser, c'est un bien grand mot, parce qu'après, faudra bien jouer, quoi. Mais dans tous les cas, peut-être qu'il est en couple avec Restump, c'est pas impossible. Et que Nagato dans ce cas-là serait le Cupidon. Mais en tout cas, ouais, faut pas attaquer Restump avant. Parce que lui, on peut connaître son rôle. Enfin, on connaît son rôle normalement. Bah, je pense, normalement, il est ancien. Normalement. Oui. Ça peut être que ça s'il est safe. Ouais. Non, normalement. Ouais, oui, voilà, ouais. C'est pour ça que j'ai préféré le dire à tout le monde. Mais il reste combien de loups, vous pensez? Deux ou trois. Deux ou trois, ouais. Donc ah, Nartko, Thomas. Thomas est mort. Donc Nartko attends, et. Attends, Damien, y'a aucun solo qui est mort. Non. Ouais. Donc il reste un voire deux solo. Ouais, bon, y'a moi dedans et j'espère que. Attends, mais y'a que Nartko qu'on LGB connaît en fait. LGB slash solitaire n'est pas mort, hein. Y'a moyen que Nartko soit solitaire, hein. Faut faire gaffe à ça. Et je pense vraiment que. Attends, on a aucun autre LG parmi les autres pseudos, on les connaît tous, ils ont tous l'air safe. Bah, y'a quand même le loup qui sont morts, hein. Moi je pense vraiment que Marwan y'a un truc bizarre quoi. À partir du moment où tu claims le chien loup, je suis désolé. Non, mais attends. Les gars, y'a que 5 loups qui sont morts. Non, 6, faut compter le craintif. Ah oui, c'est vrai, 6. On sait qui c'est, bon. 10, donc il doit y en avoir 7, peut-être de base, à tout casser. Avec un hardcore, peut-être. 7, 8 avec l'infecté, s'il y en a. 9 avec le chien loup. Non, mais le truc, c'est que, ouais, en fait, Narco il est LG, mais du coup, le dernier, je me demande si le dernier, ça serait pas bah, le couple. Et en fait, c'est pas un chien loup. Et voilà. Ouais, j'avoue que le couple. D'accord. Un bon couple, Restump Marwan, bien sucré, non, bien. Restump. Moi je pense que. Ouais, les gars. Moi je pense que Marwan il est en couple. Je pense aussi. Bah, juste là d'ailleurs. Eh oui, mais c'est pour ça que je l'ai dit. Après, en vrai, c'est quand même dur de savoir parce que. Est-ce qu'ils auraient tué gars, autant de loups, tu vois? Ouais. Enfin, j'en ai un quoi. Après, si Marwan était dans une position délicate, je pense que bon. Ah, mais genre, autant les deux derniers, je pense pas que c'était nécessaire de les vous tuer, tu vois. Vous pensez quoi de Marwan et Restump et Valier, vous? Bah moi je pense qu'ils ont raison, hein. Enfin, c'est forcément qu'ils ont tué les loups, c'est pas nous. Mais d'accord, mais vous pensez pas que ça serait possible d'une histoire de couple parce que Marwan il se dit chien loup? Moi je pense pas que ce soit. Il reste Nartko et il en reste encore un, mais. Oh, mais en fait, ils s'en foutent de tuer l'LG parce que c'est groupe de 3. Ouais. Oui. Bah, du coup, si au pire, on tente Valier si vous voulez. Non. Moi je serais plutôt chaud pour tenter Marwan. Parce que moi je suis plutôt chaud de tenter Marwan que Valier. Bon, comme vous voulez, mais parce qu'en fait, si du coup Valier est Cupidon, bah du coup il se retrouve à deux quoi, tu vois après.
Non mais... Oui, mais après autant essayer directement. Ouais, autant essayer Marwan, comme ça on tue les deux membres du couple et on garde le Cupidon qui est avec nous. Bah si vous voulez on tente maintenant avant que ce soit groupe de 3, si vous voulez. Oh les gars, Dali il est bizarre aussi hein. Dali il est sûrement pas loup. En fait, ah mais ça peut être dans, ouais. En fait ça peut être dans le groupe là aussi le couple parce que... Bah on, il s'est rapassé dans les games quoi. Si ça se trouve c'est vous le couple et j'en sais rien même tu vois en fait. Bah c'est ce que je peux me dire avec vous aussi parce que... Enfin on a tué KLG, on a pas eu d'occasion de fight de plus que ça quoi. Mais quoi, je croyais que c'était chez toi mec. Mais c'est quoi ce bruit? C'est chez moi? Non, c'est un spec je crois. J'ai rien entendu perso. Enfin je crois que c'est Dalil mais... C'est peut-être moi hein. J'ai entendu un bruit chez Dalil. Non, mais on entendait pas le même truc. Non moi j'entendais à... J'entendais un mec qui faisait des trucs bizarres sans sachet. Ah non mais c'est pas chez moi. C'est eux qui ont tué Dragiot. Qui? La oui, sœur, elle a fumé l'autre sœur. C'est pour ça qu'elle est. Tu veux que ce soit qui? Tu veux que ce soit qui l'autre sœur? Depuis tout à l'heure, tu perds pas, mais... parce que la sœur veut pas possible, protéger. T'as pas. Que ça. Ça m'étonnerait qu'il y ait ça parce qu'il y a un affect par des loups, donc je sais pas. C'est Thomas qui. Vous l'avez tenté? Vas-y, ouais. Est-ce qu'on tente vraiment? Ouais. Non, on demandait s'il y avait un gars que, dans l'autre groupe justement qu'on hésitait genre, mais... Parce que le couple c'est forcément des gens qui ont pas fight sinon il y aurait de la trahison je pense du nombre de loups qui sont morts. Attends, j'ai cru entendre quoi non? Regardez là-bas y'a qui? Moi je suis le dernier LG1 donc c'est des loups, c'est absolument tout de suite sinon c'est terminé. Voilà, je suis un lien. Je suis le dernier LG. Voilà. Attends. Merde, pardon. Bah c'est bizarre cette histoire alors. Maintenant à l'instant. Eh ben oui. Les gars, Marwan il va trahir, Non, Marwan est chien. Mais je pense qu'il est en couple hein. Ah, pas avec moi en tout cas. Donc le couple lui solo c'est tout de suite sinon. Heureusement. Si c'est en couple il va nous fausser dessus hein. Ouais, t'es pas tombé sur le bon groupe, c'est ça. La liste est catastrophique. Déjà chien loup en compo caché c'est vraiment. Quelle idée de con quoi. Un peu fort ouais. Mais ça n'a aucun sens quoi juste. Vraiment chien loup, ok. Si c'est vraiment le cas. Bien sûr qu'il y a vraiment chien, je sais le dernier. C'est toi le couple. Le couple mode check. Twitter ou LGB? En fait, c'est. Twitter. Ce qui est vraiment étrange, c'est que vraiment, il y a. Marwan n'a vraiment pas réagi quand on a parlé de ça, quoi, en fait. C'est ça qui est chelou. Ah, en vrai, là. Mais pourquoi il me suit d'ailleurs? Il a bien joué. Moi, je t'assure, mon ref. Mais il me suit en plus, frère. Hein. Ouais, j'ai peur du couple. Parce qu'il pourrait être loup en couple, en fait. C'est ça qui. J'ai cogné. On a pas d'infos sur ça, quoi. Oui, Dalil, c'est le plus safe, je pense, du groupe, là. Ah ouais? C'est vraiment le seul qui a un V1 Nartco comme ça de nuit. Enfin, le premier en tout cas. Ah, il a dit s'il y a des solos, venez me taper, je lui cours dessus. Et là, c'est plus, ouais. c'est plus de mon devoir malheureusement. Ok, bah GG. GG. Non, je regarde. Oh, t'as du temps. Ouais, j'ai du temps, ouais. C'est fini? Non, parce que le couple, de toute façon, il doit gagner couple. À moins que le couple il soit mort et cheval, ça on a pas vu. Ah, j'ai pas de soul, il feutrait. Non, je crois pas. Solo encore. Ouais, bah, j'ai vérifié, le couple a pas l'air d'être mort avec Chobax. Mais... Non, ça doit, en fait, ça doit être dans le groupe qui du coup ne fait rien. Ils peuvent pas faire grand chose, l'autre groupe. Ils ont pas fight game. Bon, bah voilà. J'ai eu tellement peur que vous me trahissiez après le kill. En tout cas, on est sûr que Marwan est dans la liste de LG maintenant. Hein. Bon, on a eu la confirmation ouais, quoi. Ouais, après, bon, il est chien loup. Est-ce qu'il se fait pas. Est-ce qu'il est pas chien loup ou en couple quoi? Après, il aurait trahi la chance qu'il nous aurait attaqué, non? Ça se trouve, qu'est-ce qui nous prouve qu'il est vraiment chien loup en fait? C'est ça. Il est dans les DLG. Je vais préciser le couple. Pas grand chose. Doit gagner couple avec le. J'ai ramassé 0 gapel depuis le début. De toute façon, en fait, de base, ça m'étonnait qu'ils soient en couple parce qu'ils auraient pas tué autant de LG, ils en auraient pas laissé qu'un seul, je pense. Enfin, je sais pas, c'est pas ouf comme équilibrage. Non, le plugin il fait en sorte que même si c'est deux villageois, ils doivent gagner ensemble. De toute façon, là ils vont trahir, je pense, parce qu'ils vont être trois, et du coup, on va savoir quel groupe. De toute façon, à mon avis, c'est très simple, c'est soit c'est ici. Soit c'est les 3 dans le groupe de NEM, soit c'est les 3 dans le groupe de Rastam, c'est pas très compliqué. Je pense que c'est dans le groupe de NEM ça. Faut tuer couple avant le groupe de 3, hein. Sinon c'est perdu. Hein. Non, moi je pense que c'est gagné si on est groupe de 3, je tombe. Bah, vu que je pense que c'est dans le groupe, je suis d'accord. Non, mais c'est pour d'autres raisons que je dis ça. Non, mais mec, si c'est Restump, Nagato, Marwan, frère, c'est perdu en fait. FF. Ouais, mais moi je pense que groupe de 3 c'est pas mal. Je pensais jamais entendre ça de ta bouche un jour, mais bon bref. Ah mais c'est selon la game là, c'est tout hein. Ça peut nous avantager, ça change pas que le fait que c'est injuste. Y'a aucun monde où c'est avantageux. Bon après là pour le coup ça change rien la game mais... c'est avantageux dans le monde où je suis dans votre groupe. Ah bon, ça peut être logique avec ton rôle mais... Thermite. Parce que j'ai donné pas mal d'indices quoi. Thermite. Il est un peu agoraphobe. C'est pour ça qu'il savait très bien que Chovac c'était pas Hermite.
C'est pour ça qu'il nous a dit direct, je suis pas ermite. Ouais, d'accord, bah ok, bah nickel. On a détective, ermite, c'est Dali le rôle solo. C'est vrai qu'on a le détective. Ainsi que l'ermite. Par contre, moi, je veux pas vous êtes d'une grande utilité. Dali n'est pas solo par contre. Hein. À mon avis. Je pense que c'est un vieux SV de mort ou je sais pas quoi. Si c'est groupe de 3 et que vous voulez choisir entre Dali et moi, je suis pas certain que vous devriez me garder. Mais bon. Je te saute dessus. Je suis pas très très sûr. Tu fais rien du tout, frère. Détective. Ah, mais j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, tu moi, fais rien je du tout, safe. Je te laisse quoi. Tu laisses, je te laisse quoi en fait. Pourquoi tu me sauves pas? Mais du coup, je suis le parles, seul hein. Fils de pute à avoir sauté sur Narco de nuit. Non, mais je suis d'accord. C'est groupe de 3 et que vous devez choisir entre Dalil et moi. Ah merde! Ah, j'ai pas compris ça. Tu sais qu'il disait pour que tu, viennes, que tu restes en fait. Enfin, ah, plus ok, ou moins. Merde. Ah, j'ai rien dit. Ah, je pensais que tu m'accusais encore. Bah non. De quoi? Dans la game. T'as moi, tu passes à trouver là. Pas ouf. Après, il y a une game. Elle du groupe mercredi soir pour le calendrier de l'avant, mais après voilà, ouais, c'est pas grave. Go. Donc tranquille. D'ailleurs, j'ai jamais eu ce rôle. En vrai, c'est pas très utile hein, généralement dans les combats quand même. Pareil. Ça va. Ça va en vrai. Un rôle n'est pas là, non plus là, très utile en combat, mais sinon, en vrai, il est intéressant mon rôle. Hein. Je pense que c'est plus utile le jour que la nuit, hein, parce que taper des loups quand t'as restance, bon, ça sert à rien quoi. En vrai, mon rôle, il est un peu utile au début, et en fait, plus la game avance, plus ça s'essouffle. Ça pue la merde après. Non, dirais mon rôle, moi c'est pareil. Salut. Salut. Comment? Bon, c'est quand que vous agissez le couple? T'as dit quoi? C'est quand que le couple agit dans votre groupe? Tue, ça part, c'est nous qui avons tué Narco, ouais. Hein, donc. C'est nous qui avons tué Narco. Allez, on tue le couple. Non, mais le couple est là-dedans en fait. Et en fait, si vous voulez savoir, là si vous voulez savoir. Les gars, on pense que c'est chez vous. On a les gars. Bah, mais donc on est, en fait, on connaît tous nos rôles ici, donc c'est pas possible. Je pense qu'il y a la sœur misanthrope et qu'elle est en couple. Oui, en fait, on connaît nos rôles ici, donc c'est pas possible que ce soit chez nous. On connaît nos rôles. Il y aurait pas le cupidon ici. Mais il y a la sœur et il y a la sœur. Et c'est surtout qu'au-delà de ça, on a attaqué le dernier loup et il y aurait une trahison à 100%. Donc. En fait, le problème, c'est que c'est nous qui avons tué le dernier loup et bon, il a bien précisé qu'il était le dernier loup quoi. Mais après, je crois que la sœur, elle apparaît pas dans la liste. Ouais, ça change rien dans la situation. Ça change rien que. Ah, allez. Enfin, on les laisse, on peut pas trop intervenir. On peut pas intervenir, on peut pas. Ils attaquent Scott, go attaquer Scott, go attaquer Scott. Mais non, mais c'est, pour nous c'est vous le couple. Hein. Et d'accord, il est pas chez nous. D'accord, bon allez, frère. Écoutons. Tendez l'oreille. Voilà. Dans un mois, c'est groupe de 3. Prenons nos jumelles. Ça tue Amine. Attends, mais non, il se tape plus. Ah, c'est un. Mais sans Rich, statu quo. C'est bordel. Ah, c'est bon, le combat est lancé. Allez, je mets des flèches random, forcément. J'ai l'impression de voir un groupe se former, moi. Ouais, et Edouard qui est un peu à l'ex. C'est pas moi qui ai mis la flèche. À l'extrême, comment on appelle ça? Regardons le combat diplomatique. Mais frère, le combat diplomatique. C'est un débat, frère. Oh, le couple, tapez s'il vous plaît. Mais c'est il vient de taper, frère. Non, mais les gars, y a plus de LG là. Hein. Donc, y a plus de loup-garou. À part peut-être celui qui est en couple avec eux, mais. On a vraiment dit qu'il y avait plus personne. Ouais, mais la sœur misanthrope, mais c'est vrai que je peux pas savoir. Sinon, elle aurait balancé le premier loup en fait. Après, faudrait respecter un peu les couples. Bah, du coup, moi je sais pas si vous voulez. On est vers nous là alors qu'on était 4. Allez, bon, ils y vont. Ah, bah voilà, ça sera pas fort. Bon bah Dwarf, Eh, faites gaffe au groupe hein, genre bon. Bah de toute façon c'est 4v3 donc normalement c'est bon. C'est quoi ce bordel? J'avoue, je suis Cupidon et vous êtes en couple. J'avoue, vous connaissez même pas mon rôle en fait. Peut-être même un trouble en vrai, ouais. C'est fumé en fait. Même si t'as battu Marwan. Je vais mettre une flèche mais c'est terrible. J'ai envie de taper mais je peux pas. Ouais, lourd hein. Bah j'ai envie de taper aussi. Ah les gars, vous avez pas des cartes, tu as 5 gardes. C'est que là je serais mort de chute je pense. Non. Oh ouais, ok. Peut-être je serais mort de chute. Ah les gars, je suis à 5 gardes, vous avez pas des gaps? J'ai mal, j'ai pas, je meurs là. C'est mort. Attendez maintenant. Oh non, le vieux groupe de 3. Attendez, on continue. Reste impatient. Le couple n'est pas mort parce que... Ah non, Nems, c'est mort, est-ce que tu... Bon voilà, c'est sûr. Il reste un solo. Il reste un vieux solo de mort. Ah c'est non, moi, ouais. Ah oui, ça, il reste un solo. C'est Dwarf, non? Quelqu'un a eu le rôle de Nems? J'en veux, ça. En vrai, il y a peut-être quand vous êtes groupé. Oui, t'inquiète pas. Bon, le problème, c'est que du coup, bon, là, voilà. Ah, mais par contre, ça passe pas à groupe de 3, par contre. Hein. Ah c'est, non, c'est à 8 joueurs, c'est à 8 joueurs. Ah, ok. On n'allait rien faire. On est juste. De toute façon, ça s'était fini après que vous attaquiez, donc bon. À part la solo. On entend Dalil? On peut être Dalil, hein? Je pense pas que ce soit Dalil, hein. Vraiment, il aurait pas tué Narco comme ça. Ouais, je pense pas. Moi, pour moi, ça peut être Dwarf ou Nagato. Non, j'ai envie de gagner. Quoique, même pas Nagato, hein. Pour moi, c'est Dwarf. Je pense pas. Dwarf ou Amine, en fait, de toute façon.
Ouais, Dalil, il aurait joué avec Nartko. Hein. Bien sûr. Surtout que j'ai fait exprès de demander à Nartko s'il était solitaire ou quoi, pour qu'il y ait un solo qui se tourne. A plus Dwarf. Tu vois, j'ai fait exprès de... Voilà, c'était sur Dwarf. Rival. Ah, ok. Ah, mon rôle de fou, frère. Oh là là. J'avais dit, c'est sûr, Dalil. Hein. C'était quoi, du coup, Dwarf, Gap Dwarf. Shaman. Ah ouais. Okay. Pour ça que je savais que Fuka était méchant. Parce que j'ai check les messages des morts. Et Restump est mort après Omega. Du coup, c'était sûr que c'est ce qui mentait Fuka. Je sais pas pourquoi vous vouliez absolument me penser en coupe. Enfin, je sais pas. Mais parce qu'en gros, chien loup, c'est tellement l'excuse de base. Je l'avais fait, mille fois, cette excuse. Ah ouais, j'ai jamais été chien loup, j'ai lu le rôle pour l'instant. Pourquoi tu m'as pas protégé, Valier? Moi en fait, qu'ils aient passé avec Restum quand. Parce que je pensais méchant. Je savais qu'il y avait un chien loup, Marwan. Ouais, je savais que tu m'avais spec. Et dans le chat DLG, j'ai écrit Marwan Sneak. Non, mais mec, c'est au début, tu sais. Ah merde! Bon, bah voilà, la partie est finito. Il n'y a pas d'autre game, donc on va cut. Au pire, on sera fait une bonne game sympatoche. Merci à vous. Bon, la game était, je trouve, assez cool. Enfin, d'un côté stratégique, mon rôle était sympa de tester un nouveau rôle. En plus, il a été utile. Et stratégiquement, la game était cool aussi parce que j'ai trouvé après tous les loups. Enfin, on a trouvé tous les loups parce que c'était pas non plus ultra dur, mais tous les raisonnements qu'on a fait étaient justes. Le seul problème, c'est que forcément, la game était pas très intéressante globalement vu que les loups avaient une team pas ouf. Et en plus de ça, eh bien, l'action s'est passée de notre côté, donc forcément, la game était pas dingue.